We'll be right back.
Hey, hey, hey! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue en ce jeudi 27 août. J'espère que vous allez tous bien, que tout roule pour vous, que vous avez passé une bonne matinée, que ceux qui ont été au boulot, bah désolé pour vous, mais j'espère que ça s'est bien passé au boulot. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous en profitez toujours bien. Voilà, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a au programme, mon petit chat? Eh bien, tout simplement du Final Fantasy XIV Online. J'avais envie de continuer un peu tout ce qu'on a commencé cette semaine. On va continuer à rattraper notre retard, en particulier concernant l'arme relique. Et évidemment, disponible pour vous filer un coup de main. Si vous avez besoin pour certaines petites choses. Encore merci beaucoup à tous. Hein, grâce à vous, on a atteint les 100 followers sur la chaîne. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Zoro Ender qui a gagné hier la mascotte de la boutique World of Warcraft qui allait avec le giveaway de ce palier follow. Voilà, on va passer là-dessus, petite overlay modifiée pour Final Fantasy, celle de WoW ne me convenait pas particulièrement pour ce jeu-là. Pas grand-chose de différent à part ma tronche en un petit peu plus grand. Voilà, on va donc se lancer sur la suite de quête de l'arme relique que j'ai commencé un peu hier. Désirez-vous vous rendre à Gangos? Bah oui, envoie-moi à Gangos. Ça a l'air sympa par là-bas à Gangos. J'ai oublié de vous remettre le son du jeu, excusez-moi, c'est mieux comme ça. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. On va qu'on allait faire un tour sur l'event, voir faire un tour sur l'event Yokai aussi, juste histoire d'eux. On ira probablement faire un petit tour cet après-midi. Nous voilà donc sur la petite île. Bah moi je veux bien que vous causiez entre vous, mais c'est pas très intéressant pour nous, hein. Je dis ça comme ça. Ah, voilà. Chef, chef. Le libérateur de Doma et d'Alamigo en personne, votre réputation vous précède. C'est un honneur de vous recevoir. Bienvenue en Bozja. Mon nom est Bajsaljen. Ils peuvent pas faire des noms encore plus compliqués. Je suis peut-être à la tête de la résistance Bozigène. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Permettez-moi tout d'abord de m'excuser pour cet accueil peu chaleureux. T'as des olives moustaches, monsieur. Bah ça va, pour ce qui est de l'accueil en tout cas, on a vu pire. Ah bah tiens, ce bon vieux Geralt. Maître Geralt? Quand vous ne forgez pas des merveilles, vous passez votre temps à me flatter. Regardez donc qui vient nous rejoindre. Toujours le même qui nous craft les reliques, hein, c'est ouf. Hé, mais c'est mon pote Illidias, tu nous as enfin rejoint dans ce trou perdu. Bordel, comment je suis content de te voir. Un forgeron dont légende est le grand libérateur, rien n'arrêtera notre rébellion avec ces deux héros d'Eorzea à nos côtés. Gunhildr soit loué. Allez, dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir la relique. Faut que je te mette au jus. Rowena fait affaire avec ces gaillards. Il lui fallait un génie de la forge pour leur filer un coup de main. Alors à qui a fait appel la vieille sorcière? À Bibi. Je lui dois un paquet de thunes, alors j'ai pas pu refuser. En revanche, tiens-toi bien. Je fais ce boulot pour elle et pouf, ma dette se volatilise. Parle pas de ça à nos nouveaux copains par contre. Rowena leur a brossé un peu le tableau de moi, t'imagines même pas. Il me traite comme un prince, avec New la volonté et une bectance de tous les dieux. On a quand même une chance pas croyable dans ce jeu d'être tombé sur le meilleur forgeron de
tout l'univers, sauf que c'est un alcoolo. Voilà. Maître Geralt, Messire Illidias, puisque vous êtes tous les deux réunis, permettez-nous de vous exposer notre plan. Missija, si vous voulez bien. Pour résumer, la 4ème Légion a dépêché de nombreux renforts à la citadelle. Nous devons unir les factions résistantes afin de nous insurger avant que ces troupes n'arrivent à destination. Pour cela, nous aurons besoin des lames de Gunhildr, les armes qu'employait la garde rapprochée de l'ancienne reine. Oulala. Le problème étant que ces reliques ont toutes été détruites lors du 4ème fléau. Fort heureusement, nos recherches nous en ont aussi appris énormément sur ces armes antiques, assez pour qu'une personne à l'ingéniosité et au talent démesuré comme Maître Gérold puisse caresser l'espoir de les reproduire. Et c'est ce qu'il fera, évidemment. Je veux, mon neveu, côté forge, côté forme, mesure, matériaux et poids, je dirais qu'on est presque fidèle à 100% comparé aux originales. Ouais, merci de la traduction. Tout ce qui nous manque en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Et qu'est-ce que c'est la cerise sur le gâteau? Ces armes antiques portaient toute une inscription, des mots sacrés transmis par Gunhildr. C'est la dernière pièce qui nous fait défaut pour compléter le puzzle. Nous avons bien appris l'existence d'une réplique sur laquelle l'inscription était gravée, mais elle a été détruite en même temps que la citadelle. Quel dommage, chat! Quel dommage! Avez-vous déjà entendu parler du désastre survenu à la citadelle de Bozja? Non. C'est un passé douloureux pour nous tous, mais permettez-moi de vous résumer cette tragédie. C'était il y a 15 ans. L'Empire occupait la citadelle et s'y livrait à de dangereuses expériences. Il tentait d'établir un canal de communication avec le satellite de la Lune d'Alamud. Pour ce faire, ils bâtirent une immense tour de transition et procédèrent à des essais. Bien vite, toutefois, tout dérapa. Quel malheur, chat, quel malheur! La puissance des ondes émises par Dalamud dépassa tout ce que leurs scientifiques avaient imaginé, à tel point que la citadelle elle-même fut rayée de la carte et de la tour. Il ne restait plus que poussière. Pas un seul soldat en faction, ni un seul habitant ne survécut à cette catastrophe. Ça foutrait presque les poils, chat. Bozja a été fondée au cours de la troisième ère astrale par la reine Gunhildr elle-même. La réplique que nous cherchons avait subsisté durant des siècles, mais cet incident a détruit tous les vestiges qui auraient pu perdurer jusqu'à notre époque. Oh, mon Dieu! Eh ouais, on pensait l'avoir dans le dos. Coup de bol, on devrait pouvoir dégoter l'info qu'il nous faut par un autre moyen. Vous comprendrez sûrement mieux l'idée que nous avons en tête si une spécialiste vous l'explique. Attendez une seconde. Excusez-moi. Ah ben bravo. Là qu'ils sont obligés de chercher la spécialiste dans tout le patelin. On n'est pas sorti, chat. On n'est pas sorti. Oh, une petite aura. Qu'elle est mignonne. Mikoto. Parlons à Mikoto. Que nous racontes-tu de beau, Mikoto? Heureuse de vous revoir, Illidias. J'aurais préféré ne pas avoir à faire à nouveau appel à votre aide. Mais nous nous trouvions dans une impasse. On se connaît. On a déjà vu quelque part celle-là, chat. Vous ne vous souvenez pas de moi? Aurais-je fait si peu impression? Mikoto du Prima. Ah oui, d'accord, c'est bon, on t'a remise. Dites-moi que ça vous revient. Oui, c'est bon, on t'a remise, madame. T'inquiète. Dame Mikoto est une savante charlayanaise spécialisée dans l'hétérologie. Elle nous a été présentée par les héritiers de la 7ème aube après que nous avons pris contact avec l'Alliance Eorzéenne. Ses connaissances devraient nous aider à reproduire les lames de Gunhildr.
J'avais bon espoir de réaliser cette prouesse avec le soutien de Monsieur Gérald. Malheureusement, j'ai grandement sous-estimé l'ampleur de la tâche, et c'est un peu ma faute si vous devez encore mettre la main à la pâte. Ah bah bravo! Toujours les mêmes, hein. Entrons dans le vif du sujet. Connaissez-vous les fileurs de songe? Ce sont des moines qui se servent de cristaux particuliers. Ils sont capables de soigner les maladies du cœur en pénétrant dans l'esprit des personnes en souffrance. À vrai dire, je ne devrais pas parler de cœur ou d'esprit. En pratique, ils effacent ou remplacent certains souvenirs afin de guérir leurs patients. C'est ce que veut la légende, tout du moins. Ils ont l'air sympas, ceux-là. Ils lavent le cerveau des gens. Difficile à croire, je sais. Cependant, nous avons pu confirmer leur existence au cours de nos recherches. Nous avons même réussi à obtenir l'accessoire nécessaire à la pratique de leur art curatif, une gemme de scrutation. Il ne nous restait plus qu'à percer le secret de leur incantation ancestrale. Voilà pourquoi nous avons requis l'aide d'une sage dans ce domaine. Entre en scène notre jolie Mikoto. Allez, te fais pas prier, dis-nous ce que tu as découvert grâce à ton caillou. D'accord. En premier lieu, j'ai pu déterminer que cette gemme de scrutation n'est pas un cristal qu'on trouve à l'état naturel. Il a été façonné par la main de l'homme, probablement par l'ancien peuple de Bozja. Les mailles du réseau cristallin absorbent les vibras, les incantations dont parlait Monsieur Marsac. Ces dernières sont ensuite stockées sous la forme d'un éther phonique proche des ondes céréphales. Il est finalement converti en onde vibratoire NRR, puis dirigé vers la cible. Ils peuvent pas parler français. On bite pas un broc de ce que tu racontes, Micheline. Aïe, 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 chat. Je vais faire plus simple. Tout être vivant est fait de trois types d'éther. L'éther corporel pour la force vitale, l'éther spirituel pour l'âme, et enfin l'éther mémoriel pour les souvenirs. Prenez un zombie par exemple, vous pouvez l'imaginer comme uniquement composé d'éther corporel. Pareil pour le fantôme dénué de raison qui ne serait qu'une âme seule, un esprit se rappelant son passé quant à lui serait la combinaison d'une âme et de ses souvenirs. Ah bah voilà, là je piche tout, enfin je crois, merci, nous aussi on comprend à peu près ce que tu racontes Jacqueline. Ces gemmes de scrutation permettent de pénétrer dans l'esprit des gens ou plutôt dans leur mémoire, ce qui signifie que l'on pourrait y glaner toutes sortes d'informations utiles. Mouais, je sais pas si ça servira à grand chose, des fois je rentre dans une pièce et j'oublie ce que j'étais venu faire. Puis la mémoire, c'est comme la ferraille, ça finit par rouiller. Vous avez on ne peut plus raison, monsieur Gérald. C'est là que nous devons faire une distinction importante. Certains souvenirs sont consignés dans notre mémoire par le conscient et d'autres par le subconscient. L'un peut être rappelé, tandis que l'autre ne le peut pas. Ces derniers sont stockés, mais inaccessibles en temps normal. Par exemple, le visage d'une personne que l'on a rencontrée est un souvenir que l'on peut rappeler à tout moment. Toutefois, pardon, un petit rototo, à moins de vraiment se concentrer et d'avoir une excellente mémoire, il sera sûrement flou. Le subconscient retient quant à lui les détails auxquels on ne prête pas attention, comme ce qui entre dans notre vision périphérique, les odeurs, les saveurs ou même le froid et le chaud. Mais une démonstration sera bien plus efficace qu'un long discours pour vous aider à comprendre. Pour ça, il nous faudrait déjà un fileur de songe, non? Non, puisqu'elle est là, je suppose qu'elle va remplacer le bonhomme. Ah, désolé, j'aurais peut-être dû commencer par là. En fait, je suis déjà parvenu à décrypter leur rituel. Qu'est-ce que j'avais pas dit, chat? Ne soyez pas si surpris. Il se trouve que ce genre de pouvoir m'est familier. Pour vous aussi, d'ailleurs. Explorer la mémoire revient un peu à observer le passé. Voyez-vous où je veux en venir? Oui, c'est l'écho, quoi. Vous l'aurez deviné, la magie des fileurs de songe ressemble étrangement à l'écho. Pour moi, il ne fait aucun doute que ces prêtres de l'ancien royaume de Bozja y faisaient appel afin de sonder les souvenirs de leurs patients. Disposant moi-même de ce pouvoir, je me serais bien attelé à la résolution de notre problème. Malheureusement, cette bénédiction ne s'exprime pas par une vision du passé chez moi. Je suis donc incapable d'utiliser une gemme de scrutation. Et c'est là qu'on entre en scène, chat. C'est là qu'intervient mon Coco. Ben maintenant, il nous appelle Coco. De mieux en mieux, chat. Hein, on n'est vraiment pas sorti, je vous le dis. Exactement. Tout porte à croire que vous seriez en mesure de réaliser cette prouesse. Il ne reste plus qu'à tester mon hypothèse. Monsieur Gérald, vous nous servirez de cobaye. Ah non, on va mater les souvenirs d'un alcoolo, chat. Au secours!
Et maintenant, il râle. On a l'habitude avec lui, vous me direz, mais il n'empêche que. S'il pouvait. Hein? Voilà. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Attention, c'est parti, chat. Rappelez-vous cette sensation lorsque l'écho vous montre une vision, Ilidias. Quant à vous, monsieur Gérald, essayez de vous remémorer un vieux souvenir, peu importe lequel. Mais il est alcoolique! Il se rappelle jamais de rien! Pff, mes vieux souvenirs, je les ai pas oubliés pour rien, hein. Chut! Concentrez-vous, je vous prie. Ok, donc en l'espace de 30 secondes, on a appris à gérer le bordel, alors qu'avant on n'y arrivait pas forcément. Pourquoi pas, chat? Pourquoi pas? Si vous entendez le bruit à côté, vous en faites pas, c'est Chatoun qui joue avec la baballe. Ah ben voilà des souvenirs. Voilà qui est curieux, je vous ai accompagné dans votre vision, probablement un effet secondaire de mon écho. Écho, écho, écho. Gérald, pourquoi refuses-tu de te constituer un petit pécule? Je suis la première à reconnaître ton talent, mais tu jettes ton argent par les fenêtres. Bah évidemment que je claque mon blé. Un homme, un vrai, ça vit au jour le jour. Putain, le sexisme du truc. Je savais que ça tomberait dans l'oreille d'un sourd. Soupir. Je n'en peux plus de ton côté sans souci. Si tu avais une once de jugeote, tu serais déjà plus riche que Godbert Manderville. Et toi aussi, tu aurais pris place au sein du cartel des Scorpions. Et puis quoi encore? Je vais devoir me trimballer à moitié à poil comme ce vieux aussi? Bah c'est déjà le cas un peu. Ouh, Rowena, elle est fâchée, hein. Je me souviens de notre conversation au mot près. Eh bah, il y en a là-dedans. Les souvenirs conservés dans le subconscient sont mieux protégés de l'altération des sentiments. Vous remarquerez quand l'environnement a été correctement reproduit. Peut-être pas à 100%, mais presque. Quoi? Tu fais pas partie de mon souvenir, toi? T'es vraiment là? Tu as toujours fui la réussite et dire que je trouvais ça attirant chez toi quand on était plus jeune. Mais c'est qu'ils étaient amoureux tous les deux! Va pas remuer le passé comme ça. Mais t'as raison sur un point, j'ai pas changé. Toi non plus d'ailleurs, t'es toujours à croquer. Au moins ça finit sur une tranche de franche rigolade. Non mais oh, c'est quoi ces conneries? J'ai jamais dit ça moi. Vous avez le bénéfice du doute, monsieur Gérald. Les souvenirs peuvent s'altérer ou même être refoulés, notamment s'ils nous causent trop de peine. De plus, ils changent avec le temps. Les bons deviennent meilleurs, les mauvais moins tristes. Les souvenirs conservés par notre conscience sont particulièrement sensibles à ces transformations. Les humains ont tendance à ne se rappeler que ce qui les arrange. Voilà pourquoi la mémoire du subconscient reste la source d'information la plus proche de la réalité. Aha! Aha, chat! Vrai ou pas vrai? Altération ou pas, il voulait la marier, la Rowena, le petit Gérald. Petit coquinou. Wow. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le genre d'altération dont tu parlais? Ça fait pourtant qu'une semaine et j'ai eu cette discussion avec Rowena. Ah, je crois que nous avons plus affaire à un fantasme ici. Il semble avoir remplacé, pardon, la fin de la conversation, car vous n'en pouviez plus de subir les piques de Rowena, un souvenir réprimé en somme. Et voilà, on sort.
Oh yes, ça se coûte. Qu'est-ce qui se passe? Quoi qui se passe, chat? Quoi qui se passe? Quoi qui se... Allez, on est ressorti. Alors, t'as fait un bon dodo, Gérald? Me v'là tout tourneboulé. Explique-lui le reste, Mikoto. Moi, je vais me pioter. La vision de l'écho vous permet de voir le passé tel qu'il s'est produit. Ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque l'on sonde la mémoire de quelqu'un. Ce que nous accomplissons revient à observer la réalité à travers le regard du sujet choisi. Nous savons maintenant que vous êtes capable d'utiliser les techniques des fileurs de songe. Il ne nous reste plus qu'à trouver quelqu'un qui aurait aperçu la réplique et son inscription. Malheureusement, ce ne sera pas chose simple puisque tous les habitants de la citadelle ont péri lors de la catastrophe. Mais bien sûr, va y avoir quelqu'un, chat. Trouver un sujet adéquat constitue le plus gros obstacle à notre plan. À l'époque, l'Empire avait placé la citadelle sous haute surveillance. Personne n'entrait ou ne sortait sans montrer patte blanche. Seul un militaire garde-malde en mission à l'extérieur aurait pu réchapper à cette destruction. Mais même si nous dénichions une telle personne, jamais nous ne pourrions la convaincre de nous aider. Ça reste à voir. Oh là. Oh là, ça y est, ça pue. Abbasside, évidemment. Seigneur Varys, je vous en prie, arrêtez. Il faut donc qu'on aille choper Cid, je suppose. Vous étiez là aussi, vous savez maintenant quel don m'offre l'écho, celui de voir le futur. Étrange, j'ai assisté à votre vision du passé et vous à ma vision du futur. Je me demande si la gemme de scrutation y est pour quelque chose. Probablement. Vous allez bien, que vous est-il donc arrivé à l'instant? On explique, parce qu'on a que ça à foutre. Vous avez vu Cid, le fils de l'ingénieur en chef du projet Météor, Midnan Garland? Maintenant que j'y pense, Dame Ugrim avait expliqué que l'Alliance Eurasienne et la Coalition Orientale avaient déjà reçu l'aide des forges de Garland. Je m'étais interrogé à l'époque, mais c'est donc bien Cid, l'ingénieur Garlemaldé, qui est à la tête de cette organisation. Alors, il a survécu. Il s'est forcément rendu à la citadelle avant qu'elle ne soit réduite en cendres. Avec un peu de chance, il aura observé la relique, ne serait-ce que du coin de l'œil. Quel coup du sort, à moins que ce ne soit mon karma. Nous avons un devoir envers Bozja. Bon, déjà, lui, il n'a pas l'air de trop aimer Cid, hein. Je le sais bien. Illidias, pourriez-vous convaincre Cid Garland de venir ici, s'il vous plaît? L'inscription que nous cherchons doit être cachée dans un recoin de sa mémoire. Aidez-nous, je vous en conjure. Eh ben, conjure, conjure! Oh non, non, c'est trop d'honneur. Je vous en prie, ne faites pas ça, voyons. Eh bien. Bozja, le dernier endroit où Cid Garland voudrait remettre les pieds. J'espère que son aversion pour l'Empire le convaincra de venir nous porter secours. Quelqu'un à l'étendue de Ralgre saura probablement où il se trouve actuellement. Nous comptons sur vous. Étendue de Ralgre. J'espère que vous allez bien, mon petit chat, que tout roule. Que vous passez une bonne après-midi.
Parler à l'employé des forges. Allons parler à l'employé des forges. Ainsi, forge, forge, forge les petites marionnettes. Oui. Désolé, craquage. On va faire comme si c'était normal, chat. Hein. Salut, vous êtes le sauveur d'Irzea, c'est ça? Je suis nouvelle aux forges de Garland, alors dites-moi tout, comment je peux vous aider? On voudrait trouver ton patron, connasse. Ah, vous voulez parler au patron? Je sais pas si ça va être possible. La relou disait qu'il était super occupé. C'est qui la relou? Ah bah d'accord. C'est elle la relou. On peut savoir qui c'est la relou? Bah c'est toi. Hein? Vous avez du mal à entendre, chef. Tenez, il y a votre héros là qui cherche le patron pour je sais pas quoi. Tu ne lui as pas demandé, je vous jure, les nouveaux. Bonjour à vous en tout cas. Qu'est-ce qui vous amène exactement? Blablabla. Je vois, le patron est parti à Doma pour effectuer une maintenance de la barrière de Seriou. En revanche, il nous a bien fait comprendre qu'il lâcherait tout si vous aviez besoin de lui. Je vais essayer de l'appeler. Bah appelle-le s'il te plaît. Je me disais bien, ça a pas l'air facile la vie de héros, toujours dans le pétrin, toujours à devoir jouer les durs malgré les soucis. En plus, on passe son temps à servir de larbin. Comme ça me lourderait, moi. Dit la nouvelle de la forge de Garlon qui doit récurer les chiottes à longueur de journée. Ah, faut pas le prendre mal, je me moque pas de vous. On dirait pas, mais j'ai le trac en fait. Que voulez-vous? Je suis votre fan depuis vos débuts, je m'attendais pas à me retrouver devant vous, vous pensez bien? Je peux vous serrer la main? Bien sûr! Ilia, c'est pas bientôt fini, oui. Et le boulot que je t'ai demandé de faire, c'en est où? Le boulot, oh la gaffe, je dois y aller, j'espère qu'on se reverra. À plus. Bon bah c'est pas comme si on avait affaire aux forges de Garland régulièrement, donc on la reverra, hein. Ça, y a pas de. Le patron a dit qu'il se mettait immédiatement en route pour le quartier enclavé de Doma. Il vous attendra sur les quais, vous pourrez le retrouver là-bas. Merci beaucoup, Quête FedEx. Je sais que ça ne doit pas arranger vos affaires, mais le patron n'a aucune envie de se remémorer la tragédie qui s'est produite à la citadelle. Même s'il s'agit d'un accident, les victimes, aussi bien militaires que civiles, se sont comptées par dizaines de milliers. Beaucoup considèrent cet événement plutôt comme un massacre sans nom commis par l'Empire, notamment les résistants bosgiens. Pour ne rien arranger, Midnan Garland était en charge du projet Météor et c'est là-bas qu'il a trouvé la mort. Sid a toujours cru qu'il aurait pu éviter la catastrophe en ramenant son père à la raison. Le poids de cette tragédie lui pèse sur les épaules depuis bien longtemps. Il s'en veut toujours, ça se sent. Ça se sent que c'est toi, pardon. Personne ne le tient pour responsable, bien sûr, mais c'est une plaie qui le fait encore souffrir aujourd'hui. Alors, soyez gentil avec lui. Que dalle! On va le choper par les beaux-bourses et on va le foutre sur la table. Il va nous donner ce qu'on veut, oui. Non mais. Oh, j'aime les quêtes FedEx, chat. J'aime les quêtes FedEx. J'essaie toujours partout à la fois. Franchement, respect. Elle nous serre la vis, mais c'est parce que c'est une vraie meneuse d'hommes. Oula, je vais encore me faire tirer les oreilles si je vous tiens la jambe trop longtemps. Le patron vous attend au quartier enclavé de Doma. Alors, oubliez-moi et mettez-vous en route. Merci pour les petites matérias. Le patron vous attend au quartier enclavé, non? Où qu'il aille, il a la cote. Alors, à votre place, je me dépêcherai de le rejoindre avant qu'une belle orientale l'embarque. Quartier enclavé de Doma. Doma, 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 Doma. Du. Allez, courons à dos de griffon, chat. Adada. Tout, 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 tout.
Pilote d'aéronef, 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 d'aéronef. Vous cherchez Sid Garland. Il fait actuellement le cours du tour du quartier. Ah bah quand on parle du loup. Silou, silou, silouné. Salut. Plus qu'un quartier, c'est toute une ville, ma parole. Elle me plaît, tout le monde s'y active, le cœur rempli d'espoir en l'avenir. Un beau témoignage du bienfait de la paix. Économiste à salive, je sais ce qu'on attend de moi et je ne peux décemment pas refuser. Je discutais de la reconstruction de Doma avec Ian tout à l'heure. Je lui ai répété une fois de plus qu'il pouvait compter sur le soutien des forges de Garland. Il m'a alors demandé pourquoi moi, un Garlemaldé, me donnait tout ce mal. Bonne question. J'ai renié ma patrie, alors à mes yeux, s'évertuer à mettre des bâtons dans les roues de l'Empire était le choix le plus évident. Mais en vérité, je suis tout autant accablé par la culpabilité. Parce que j'ai participé à l'effort de guerre en tant qu'ingénieur avant de m'expatrier, tu comprends? Et puis, je tiens à remettre dans le droit chemin cette nation que j'ai abandonnée. J'ai bien du mal à m'arracher de mes racines pour un apatride. Où Yen voulait-il en venir, chat? J'imagine que c'était une manière détournée de s'assurer de mes convictions. Il a bien vu que cela me travaillait encore. Le projet Météore était une pure folie. Jamais un tel drame ne se serait produit si j'avais su trouver les mots pour convaincre mon père d'y mettre un terme. Mais j'ai échoué. J'ai été trop faible pour m'imposer, et tous ces morts resteront sur ma conscience pour toujours. Je sais, je ne dois pas me laisser abattre. Yen m'a dit la même chose. La 4e Légion sera un adversaire de taille, même face à tous les résistants bosgiens réunis. Doma leur apportera toute l'aide nécessaire et il paraît que la mienne leur sera vitale. Bah oui, sans toi, on peut pas faire nos armes, bordel de merde! Il n'en a pas fallu plus pour me convaincre. Et si je fais ça aujourd'hui, ce n'est pas pour racheter mes péchés, non. Mon passé me poursuivra jusque dans la tombe. C'est pour m'insurger à ma manière, car moi aussi, au fond, je suis un résistant. Partons pour Bosja. Tu n'auras qu'à profiter du voyage pour m'expliquer en détail de quoi il retourne. Ainsi, nous pourrons nous mettre au travail dès notre arrivée. Oui, chef, très bien, chef. À vos ordres, chef. Mikoto, Mikoto, Mikoto. Les scènes cinématiques qui vont suivre sont nombreuses et cruciales pour le développement de l'intrigue. Ouh. Veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps avant de continuer. Eh ben, je vais aller faire un pipi, chat, et j'arrive, hein? Je vous dis à tout de suite.
Me revoilà mon petit chatounet. On est parti pour ces nombreuses cinématiques. Êtes-vous prêt à explorer les souvenirs de Sid? Oui. Oui. Ben, ça discute avec monsieur au nom imprononçable. Ouh là là. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il donc, chat? Que se passe-t-il donc? Commençons sans plus attendre si vous êtes bien installé. Remémorez-vous votre séjour à la citadelle, s'il vous plaît. Pas la peine de forcer. Laissez-vous aller comme s'il s'agissait d'un simple songe. Un songe, c'est compris, je vais faire de mon mieux. C'est Darty mon kiki chat, c'est Darty. Activation de la pierre magique. Envolation. Sacha, vous le voyez pas, c'est caché par ici, mais ça charge. Ouh! Cool! Des souvenirs où il faut taper. La citadelle avant qu'elle ne soit vaporisée, mais pourquoi est-elle dans cet état? La reproduction est imparfaite, probablement car vous avez longtemps refoulé ce souvenir. Dirigeons-nous vers la tour de transmission, elle devrait être au nord, dans Principia. Très bien. Faisons cela. La base de la tour, je commence à comprendre. Il suffit que je me concentre pour faire apparaître. Attendez, juste que, hop, tac, parce que sur le truc sur lequel je suis, je l'ai pas. Cette base Garlemaldès qui vient d'apparaître, je vois. Le chemin s'arrête ici, qu'est-ce qui se passe? Votre souvenir doit être encore un peu flou. Illidias pourrait vous poser des questions pour vous aider à vous rappeler. Bah, posons des questions. Ce gouffre, ce serait une manifestation de mon appréhension. Bon sang, je dois me rappeler, peu importe la douleur. À quoi ressemblait cette route pavée bleue filait encore plus loin. La tour et les installations militaires mises à part, un style architectural traditionnel primé dans la cité. Ok, c'était pas la question qu'il fallait lui poser. Ils avaient conscience de leur importance. Je me souviens que les soldats étaient à cran. Je crois que ça commence à me revenir. Laissez-moi me concentrer un instant. Ah, voilà le chemin. Continuez comme ça, le chemin se révélera peu à peu à nous. Comptez sur moi, direction plein nord. En route, chat, en route. Trouvons les inscriptions pour la relique. La tour de transmission vient d'apparaître au-dessus de Principia. On voit ses antennes au sommet, l'épicentre du drame qui se produisit ici. La route est à nouveau coupée. Je ne pensais pas que mon inconscient lutterait à ce point. Bah, visiblement, c'est pas des souvenirs particulièrement agréables pour Sid, donc c'est pas vraiment étonnant. Désolé, je fais de mon mieux, mais ça ne va pas me revenir. Si seulement je pouvais trouver quelque chose pour stimuler ma mémoire. Un bon coup de pied au cul. Ah, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver un quelque chose pour l'aider à se rappeler, chat. Épée, bouclier usé. C'est ça qu'il faut? Non. Qu'est-ce qu'elle dit?
Ces armes, elles évoqueront peut-être un souvenir à Maître Cid, qui sait? On va voir ça tout de suite. Tiens, armure Magitech. Ah ben voilà, c'est un ingénieur. Vous avez trouvé des débris d'armes Magitech et des armes de fantassins usées, mais oui, bien sûr, c'était ce jour-là. Magnifique, continuons. C'est plutôt chouette d'avoir fait ça sous cette forme-là, je trouve. Plutôt que ce soit juste, juste des cinématiques. L'endroit semble sous bonne garde. Ça ne rend l'atmosphère que plus pesante. Pas étonnant, de nombreux Bosgiens voyaient ces expériences d'un mauvais œil. Garde-Malde avait ordonné l'état d'alerte maximum pour protéger les installations. Ce jour-là, le désordre était total et des résistants en ont profité. J'ai une idée. Vous m'avez dit que l'on pouvait altérer ses souvenirs, c'est bien ça, et si on essayait? Tester les limites de notre influence pourrait nous être utile en effet. Essayons d'éliminer ces soldats impériaux. Ok, il faut taper. Ça c'est cool. On aime taper, chat. Taper, taper, taper. Faudra que je remonte mon sam aussi, tiens. Oplomacus, tu vas l'avoir dans le cucus. Voilà, tus. Ah merde, ils reviennent. Il faut les retaper. Pas de chance. Quel dommage. Les voilà déjà de nouveau debout. Mince, ça n'a pas l'air si simple que ça. Oublions mon idée et poursuivons notre route. Poursuivons, poursuivons. Ça aura fait un petit peu d'animation dans cette suite de cinématiques. N'empêche, tout ça pour une arme, quoi. Après, on est dans FF, hein. On sait que c'est ultra scénarisé et c'est aussi ce qui fait le charme du jeu. Nous voilà arrivés devant le principal, la salle de console de la tour devrait être à l'intérieur. Oh là! Oh, joie! Je n'ai jamais vu d'abomination pareille. Que sont-elles? Votre trauma doit leur avoir donné naissance. Elles nous bloquent l'accès à cette partie. Il va falloir taper, à moins que je me trompe. Nous ne pourrons pas avancer tant que nous ne les aurons pas vaincus. Taper, taper, taper. D'accord, c'est des anticorps carrément. Heureusement qu'ils tapent pas trop fort, les anticorps. Hein. Et voilà. Ah ben non. Seconde vague. Par les 12, ils sont partout. Prenez garde. En nombre, ils sont sûrement capables de concentrer leurs attaques pour refouler les intrus. Très bien, très bien. Merde, mauvais bouton. Ouais, ils font quand même un peu mal. Hein. On va se. C'est tout bon, on les a tous tués. Nous aurons moins appris que les manifestations de votre peuple peuvent être vaincues. Voilà qui est bon à savoir. Je ne m'attendais pas à croiser des saletés pareilles. Heureusement, nous nous rapprochons de notre but. On y est presque, chat, on y est presque! Principia, la salle de contrôle serait donc à l'intérieur de ce bâtiment. Attention, petite porte violette. Ça pue. On le sait. Quand il y a un truc comme ça, ça pue. Oh mon dieu, Dalamud! Ah bah bravo. Il va falloir qu'on pète... qu'on pète Bahamut. Bravo! Ben joie, on va péter Bahamut, ma foi.
Le primordial Bahamut, Maître Sid, c'est une création de votre esprit, ressaisissez-vous. Lui aussi, ce serait une matérialisation de mes peurs. Ah bah visiblement oui. Bahamut imaginaire. Allez, tapez. Par contre, si tu pouvais me laisser un peu tranquille, je suis pas tout seul, merde. Espèce de gros con. Il est lié à ce maître Sid, est en détresse mentale, cette apparition est sûrement la cause. Bah oui, il faut qu'on l'élimine, on essaye, on essaye. Compression. Giga brasier, joie. Ah mais ça me suit cette merde en fait. Bon, on va tout claquer ma foi. Hein. Voilà. Voilà. D'accord. Bon, il est mid-life, chat, il est mid-life. Ah, ça y est, il me recourt après, le connard. Ah! Ah! Lui aussi, il a sorti l'artillerie lourde, gros bâtard de merde. Mais laisse-nous tranquille. Bon, là, ça va tourner, je vois. On suit le move, hein. Ça, c'est pas comme si c'était des mécaniques qu'on connaissait pas déjà. Sid, t'as quand même un esprit un peu tordu pour nous faire ressortir Bahamut. Je dis ça, je dis rien. Tiens. Les gars, brasier dans ton cul. Compression. Ah, cours. Souffle le brasier, au secours, chat! Le gros dragon, il est pas gentil! Il est pas content, le dragon! Mais pourquoi qu'il est pas content, le dragon? Rugissement furieux! Voilà qui se vénère maintenant! Bahamut faibli. Ah, nice. Trop duc. Ça va. Pour le moment, on gère. Il n'y a pas eu de truc trop... Tu es mouru, Bahamut. Je peux bouger à nouveau, merci et désolé, je n'ai pas servi à grand chose. Bah oui, on a vu que t'avais servi à rien là. Vaincre cette manifestation de votre traumatisme doit avoir rapproché votre souvenir de la réalité. Bon. Allons chercher ce souvenir. Allons commencer notre relique, chat. Maître Sid, ce ne serait pas vous plus jeune là-bas? Nous allons peut-être assister à une ancienne conversation. C'est Sid et son papa? C'est Papa Sid? Attention, événement. J'ai traversé ces mêmes couloirs pour confronter mon père ce jour-là. Père, je vous en prie, reconsidérez. Les chiffres ne mentent pas, ces expériences sont trop dangereuses.
Tais-toi, je ne veux plus t'entendre, c'est bien compris? Je n'ai pas de temps à perdre avec tes foutaises. Pourquoi? Pourquoi refusez-vous de voir la réalité en face? Vous ne pouvez pourtant pas ignorer le risque. Pourquoi s'est-il comporté de la sorte? Mon père était pourtant un homme de science. Ce carnet que votre alter ego a jeté par terre nous en apprendra peut-être plus. Examinons le carnet. Les pages du cahier sont remplies d'équations complexes formulées par le jeune Sid. Après calcul, il conclut qu'il y a de fortes chances que pour que le satellite de la Lune soit capable d'absorber l'énergie solaire et de la restituer sous forme d'ondes magnétiques. Il prédit aussi une issue catastrophique si Dalamud est activé sans les préparations adéquates. Son hypothèse avance que l'équivalent de plusieurs milliers d'années d'énergie solaire accumulée se déverserait en un instant et qu'elle détruirait tout dans un large rayon, ce qui n'est pas tout à fait faux. Vous aviez tant de données pour supporter votre hypothèse. Et on apprend. Merde, j'ai loupé un morceau. Et pourtant, j'avais tout rassemblé dans ce carnet dans une tentative désespérée de convaincre mon père en vain. Il devait déjà. Ne nous perdons pas en conjectures, avançons. Il était probablement sous pression à cause de l'empereur. Ah, encore du taper. La réplique avec l'inscription. Je la vois dans le fond de la salle. Petite vidéo. Les répliques? Ah, forcément, c'est une Gunblade, tu sais. Sinon, c'est pas drôle. Et les chakrams, ils sont où? On veut voir la gueule des chakrams, nous. Oh. L'empereur. Tiens, tiens, Sid Garland, qu'espérais-tu accomplir en te présentant devant moi? Crois-tu vraiment avoir la détermination nécessaire pour mettre un frein à une entreprise aussi magistrale que le projet Météor? L'empereur savait, je vous rappelle que c'était un Assyrien, chat. Il était contrôlé par les Assyriens. Je dois garder mon calme, ce n'est pas l'empereur Solus. Non, ça ne peut pas être lui, il n'était pas là, c'était son père. Ah non, c'était l'empereur Bis. Ah, il s'est pris la balle souvenir quand même. Je sens qu'il va falloir taper. Vous devez ordonner l'arrêt du test, votre majesté, je vous en supplie. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le souvenir de tout à l'heure, du coup. Maître Sid, vous m'entendez? Ce n'est pas vous qui êtes étendu sur le sol, c'est votre alter ego passé qui a reçu cette balle. Oh. Le présent et le passé sont en train de s'en mêler, chat. Ça va pas du tout! Je pense que Sid va vouloir lui casser la bouche. Pourquoi ne restes-tu pas à terre? C'est ta faute si la citadelle a été réduite en cendres. Ta faute si le feu destructeur s'est embrasé et a transformé cette cité en un gigantesque mausolée de poussière. Faible tu as été, faible tu es, et faible tu resteras, Sid. Cette vérité immuable te hantera jusqu'à la fin des temps. Il essaye de déstabiliser, c'est pas le véritable empereur, c'est pas les souvenirs de Sid, c'est sa culpabilité, chat! Et on va le sauver de sa propre culpabilité, qu'est-ce que c'est beau! Nul ne peut s'opposer à ma volonté. Prosternez-vous devant ma grandeur. Enfin, tu t'es un petit peu fait baiser la gueule par ton propre fils. Voilà, hein.
Vous êtes bien peu de choses. Comment osez-vous vous opposer à moi avec si peu de hardiesse? Idia, si quelqu'un peut lui tenir tête, c'est bien vous. Ce n'est pas le souvenir de Varys, ce n'est pas... Oui, c'est un faux, créé par le traumatisme de Cid. En toute logique, vous devriez pouvoir en faire autant et évoquer consciemment le souvenir de vos alliés. Ah bah d'accord, on va avoir un défi. Celui de vos valeureux compagnons, celui d'une armée inarrêtable. Ah bah les compagnons, l'armée on s'en fout. Toujours inviter les copains en chat, toujours. Et on va lui casser la bouche. Allez, tapez. Toute la clique est là, chat. C'est ce qui fait ta force, te battre côte à côte avec tes amis pour défendre un idéal commun. Tant que tu auras ça, tu ne perdras jamais. Bon, si, on s'est déjà pris des claques, hein. Faut pas déconner non plus. Allez! Groupe de raid avec les copains des héritiers, chat. C'est Darty mon kiki. Allez, on y va. C'est qui tank? Ah ben c'est Tank Red. Altius, qu'est-ce que ça fait ça? Ouh. Eh mais j'étais pas dedans. Tricheur. On a monté un peu les trucs, on va pouvoir envoyer un peu de pâté. Jaune, vert, bleu. T'inquiète, je te protège. Merci Sancred. Tu es bien urbain. Bon par contre les copains, il va falloir taper un peu plus fort que ça quand même, hein. Parce que là on n'est pas rendu. L'autre côté, l'autre côté. On va lui casser la bouche, chat. On s'en fout, c'est qu'un souvenir. Atuis, vas-y, tiens, je fous la carapace sur tout le monde. Haha. Tiens, un petit coup de main pour le heal. Ventus Est. Ah bah parfait. Rien, même pas besoin de bouger de chat. Si ça c'est pas beautiful chat. Former un robuste peloton. Je vous l'accorde. Voilà. On dirait qu'il se fâche. Maintenant il s'est volé. Mais résisterez-vous face à mon écrasante puissance? Tout le monde en arrière, je vais encaisser son attaque. Aidez-moi à la repousser. Ok. Déployons tout le potentiel de cette lame. Allez, ma foi. J'érige une barrière de protection. Merci, Ruyang G. Donnez tout ce que vous avez. On donne tout. On va la casser. On lui casse la bouche à la barrière. Mais c'est pas la barrière, c'est l'attaque, on s'en fout, chat. Vite. Ça veut attaquer Rin. Tiens bon, Tancred. On va y arriver. Oui. On va lui casser sa bouche. Voilà. Hein? Non mais, pour qui s'est pris, lui? Merde à la fin. Allez, on renvoie du pâté, les copains.
J'ai bien fait de prendre eux plutôt que l'armée, je pense, chat. Je la sentais pas trop, l'armée. Oh oh. Oh oh, qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi qu'il fait ça? Pourquoi qu'ils s'en vont tous? Oh, au secours. Vite! Sinon il va nous tège. Choc Magitech, tu ne nous vaincras pas, sinistre personnage. Ouais, je sais, on pourrait aussi l'appeler gros bâtard, mais c'est moins joli, quoi. Altuis. Ah non, ça fait bobo. Ouïouïouï. Bouclier, canon, explosion Magitech. Faut qu'on aille derrière. Charge énergétique. Rouge, bleu, dance. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Jamiroquai. Tu vas mourir, Varys. Tu vas mourir. Eh, ils assurent, les petits potes, hein. Je me demande ce qu'ils valent, les alter-ego, dans les... Quand tu pars en donjon avec, avec les copains. Je me demande si ça vaut vraiment le coup ou pas. Tiens. Prends ça dans les dents. Plutôt sympa cette petite partie scénarisée là. Oh comment j'ai l'air fâché, chat. Oh comment j'ai l'air fâché. Tu n'es pas Varys, c'est impossible. Tu n'avais pas le commandement de ce projet. L'Académie Magitech était à... Pardon, à sa tête. Une altération, non, un faux souvenir. Votre subconscient vous cache une vérité encore plus douloureuse. C'était son papa! C'était Papa Sid. C'est son propre père qui lui a tiré dessus, chat. Avec ses trois poils au menton. Drôle. Attention, il va se souvenir, chat. Il va se souvenir de qui c'était. Tu ne peux pas être Varys, alors qui es-tu? Réponds. Je suis ton père. Et ouais, c'était son papa. Ça, c'est triste. C'est pour ça qu'il voulait pas se souvenir. Il s'est fait tirer dessus par son père. C'était ça. C'est donc mon père qui m'a tiré dessus sans la moindre hésitation. Mais Sid, regarde ses yeux. C'était pas son père. C'était pas son père. Enfin si, mais pas que. Il était subjugué. C'était Bahamut. C'était Bahamut, chat. Imaginez si Bahamut était conscient du contact établi avec Dalamud et s'il avait insufflé sa volonté dans les ondes descendantes pour se créer un émissaire sur Idaelin. Et c'est ce qu'il a fait. Un subjugué ne peut entendre raison. Personne n'aurait pu convaincre Mid de renoncer à ses tests, pas même vous, son fils. Bah oui, puisqu'il était subjugué. La catastrophe de la citadelle de Bozja était dès lors inévitable. «
Ce n'était ni une erreur humaine, ni une défaillance technique, mais un acte délibéré. Bah oui, c'est Bahamut qui a cherché une solution pour se libérer, mon bon. Alors, la voilà, la vérité. Eh ouais, t'as pas été trahi par ton papa, il était juste pas lui-même. Et c'est ça la vérité. Et c'est tristesse. Ah, ça y est, on ressort. Mais on n'est même pas allé voir les inscriptions, c'est quoi ce bordel? On est venu exprès. On est venu dans ce putain de souvenir exprès. Pourquoi qu'il... Hein? Non mais... Ça nous aura quand même pris presque une demi-heure. Tout ça pour rien? Vous foutez de ma gueule? Ou alors elle les a enregistrés dans sa petite mémoire. Parce qu'elle est toute mignonne, notre petite Raora, là. Ouais, trop bien, on a les inscriptions, youhou! Ouais, mais Sid, il fait une dépression à côté, les gars. Hein, sous l'emprise de Bahamut, nous ignorions tout du phénomène de subjugation à l'époque. Mais si j'avais su, si seulement j'avais su, bah, t'aurais pu essayer de le sauver. Tu vas pouvoir reprendre confiance en tes racines. Ton papa ne t'a pas trahi, mon petit Sid, il était subjugué. Quelle tristesse, chat. Tant d'années de souffrance à cause d'une subjugation, c'est terrible. Merci l'ami, grâce à toi, mes reproductions auront rien à envier aux originales. Sid Garlon, permets-moi de vous offrir mes plus sincères remerciements au nom de tous les Bosgiens. Ravi d'avoir pu rendre service, malgré ma part de responsabilité dans votre malheur. Je me suis longtemps interrogé sur ce jour fatidique qui m'a privé de ma femme et de mes enfants. Qu'avait-il fait pour mériter ça? Je ne nierai pas avoir longtemps haï l'Empire et votre père. Et pour ne rien vous cacher, l'ombre d'une rage vengeresse habite encore mon cœur. Bah oui, bah tu m'étonnes si t'as tout perdu, Coco. Même si vous avez renié vos origines, même si vous combattez vos anciens compatriotes, même si vous nous prêtez main forte dans votre combat, je ne peux me défaire de cette profonde part de moi qui ne voit en vous qu'un de ces garle-maldés qui nous ont tout pris. Et ce, malgré toute la gratitude que j'ai pour vous. Eh ben, ce genre de choses, ça s'efface pas d'un revers de la main, Jean-Michel, hein. Je vous demande pardon, Sid Garlon. Pardonnez-moi d'être trop faible pour me rendre maître de mes propres sentiments. T'es juste humain! Enfin. Humain, t'es un espèce de tigre, chat, machin truc, mais tu restes humain quand même. Merde. Bah, sale jeune. Je vous jure, hein, ils peuvent pas faire des noms plus simples. Nous ne sommes que des hommes. Ah bah voilà, je l'avais dit, chat. Éternellement esclave de nos sentiments, Garlemald vous a privé de ce que vous aviez de plus cher, et on ne peut balayer une haine aussi farouche d'un revers de la main. J'ai tout dit avant qu'ils l'écrivent, chat, hein, vous êtes témoin. Je doute qu'une victoire sur l'Empire parvienne à l'effacer d'ailleurs. La vérité que j'ai apprise aujourd'hui aurait dû me convaincre de mes choix, mais elle ne fait que me remettre en question. Je dois mettre un pied devant l'autre et voir où mes pas me mènent. Voilà pourquoi je combattrai moi aussi l'Empire, pas pour m'absoudre de mes péchés, mais au nom de la liberté. T'as bien raison, parce que l'Empire, c'est de la merde. J'envie les personnages de contes de fées. Si seulement nous pouvions, nous aussi, être purs de cœur et capables d'ignorer le passé pour fixer notre regard sur l'avenir. Au lieu de ça, nous luttons en permanence pour donner du sens à nos vies. Il y a quand même de belles morales dans Final Fantasy, les gars. Que voulez-vous? Nous devons être trop humains, vous et moi. On n'est jamais trop humain, chat. C'est une vraie vérité qui marche dans la vraie vie. On n'est jamais trop humain. Ayez jamais peur de ce que vous ressentez, chat. C'est ce qui fait de vous des êtres humains. Bon, est-ce qu'on va pouvoir commencer cette foutue relique maintenant? La gemme de scrutation a perdu son pouvoir. Bah, tu m'étonnes avec tout ce que t'as foutu dedans, t'as tout bouffé, Jean-Michel. En effet, au même titre qu'une invocation primordiale nécessite des cristaux, on ne peut pas utiliser n'importe quel éther pour sonder la mémoire d'une personne. Peut-être pourrons-nous recharger la gemme, comme avec les oralites sacrées, mais je ne peux encore rien promettre. Et moi qui voulais mettre le grappin sur ces soldats garle-maldés de mes souvenirs pour leur tirer les vers du nez. Eh, on peut pas tout avoir, hein. Tu sais déjà que ton père, il t'a tiré dessus parce qu'il était subjugué. Faut peut-être pas déconner, Michou.
Ça aurait été trop beau. Enfin, je vous laisse étudier la pierre. C'est pile dans vos cordes. Même si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir me chercher. On n'hésitera pas, Sidounet. Merci beaucoup pour votre aide, maître Sid. Je vous laisse. J'ai une montagne de travail qui m'attend. Bah, si c'est toute une montagne, ça fait beaucoup, Jata. Maître Sid. Va lui faire un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou. Il a besoin d'un petit bisou là. N'hésitez pas à venir me chercher non plus si vous avez envie. Ah d'accord. On part dans ce registre-là, chat. Ne vous en faites pas si j'ai un problème d'hétérologie. Vous êtes la première que j'appelle. Et lui, c'est bien un mec, il comprend que dalle. Elle veut que tu la kennes, Jean-Michel. Oh pétard, ces mecs qui comprennent rien. Si vous voulez bien m'excuser, je dois gémiser la scrutation d'analyse, analyser la gemme de scrutation. Elle est toute perturbée maintenant. Elle en a mouillé sa culotte, chat. C'est sûr. Et l'autre qui comprend rien. Si j'ai un problème de... Mais elle veut que tu lui enlèves sa culotte avec les dents. C'est pas possible. Notre rêve de reformer les lames de Gunhildr est plus que jamais à portée de main grâce à vous. Je vous conseille de vous adresser à Maître Gérold quand vous aurez un peu de temps. Il pourra vous en dire plus que moi sur ses répliques d'armes. Je m'assurais, blabla, ouais. Bon, tout ça, on s'en fout. On veut aller chercher notre chakram, notre chakram, notre chakram. Vous pouvez désormais vous téléporter vers Gangos. Joie? Un nouveau lieu de téléportage, chat? On aime le téléportage. Pendant ce temps, dans la ville de Volnay-Nandalmasca. Ouh. Garlemald est de retour, chat. Ça va chier les bulles. Ah. Ça cause. Mon général, des nouvelles de notre élément infiltré à Gangos. Ces satanés rebelles sont parvenus à reproduire les armes des lames de Gunhildr. Hein? Hey hey, salut la lui, salut l'ami, salut mon petit Zoro, comment va? Autrement dit, ce n'est qu'une question de temps avant que l'épée sacrée garde la reine ne soit tirée de l'oubli. Je te laisse t'en charger. Prends le commandement d'une troupe et rends-toi en Bozja. Une fois là-bas, attends qu'il se soulève et procède comme nous avions prévu. Très bien, monsieur. On va faire ça, monsieur. Merci, monsieur. À vos ordres. Bah écoute, ça va nickel. Et toi, ça va plutôt pas mal. Merci beaucoup. On a fait toute la pré-partie. Pré-partie de la relique Shadow. Shadowbringer. J'étais devant la télé, je me suis endormi. Ah, la télé, cette traîtresse à l'heure de la sieste. L'empire auquel nous avons autrefois prêté allégeance meurt peu à peu. Que faire face à ce triste constat si ce n'est bâtir un nouveau royaume? Ah, d'accord! Des traîtres! Afin d'y parvenir, ces terres doivent être pacifiées par tous les moyens nécessaires. Et n'en déplaise à nos anciens maîtres, je n'hésiterai pas à avoir recours aux primordiaux qu'ils détestent tant. Faut pas manger avant de look la TV. Ah non, non, non. De toute façon, hein, aux alentours de 13h30, 14h, que t'aies mangé ou pas, faut pas aller devant la télé. La télé a un pouvoir maléfique sur toi. La télé t'endort, quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles faire, la télé aura raison de toi. La mémoire de l'acier. Garde la reine. Fin du chapitre 1. Passé élucidé, cool. Ça nous donne un titre, cette merde-là, ou... J'aime bien les titres. Non, ça nous donne pas de titre. Eh ben, va te faire mettre. Gérold, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? L'homme qui tombe à pic, on allait justement se mettre au boulot. Si vous commencez la quête, une nouvelle lame pour Gunhildr maintenant. L'arme de la résistance que vous pourrez fabriquer est celle de danseur. Oui, bah ça tombe bien, c'est celle que je veux. Je sais pas si je t'ai dit, mais j'ai décidé d'appeler ce nouveau joujou les armes de la résistance. Simple, sobre, efficace. Merci, Captain Obvious.
C'est qu'entre les lames de Gunhildr et les lames de Gunhildr, j'avais du mal à m'y retrouver. Faut vraiment qu'il arrête la picole. Hein. Si on se mettait à appeler la garde de la reine, leurs armes et leur reproduction par le même nom, on serait pas sorti de l'auberge. Bon, avant que je m'y mette, j'aimerais que tu me dises toute ta petite balade dans les souvenirs de Cid. J'aime pas travailler à l'aveugle. Et blablabla. D'accord. Eh, mais attends, c'est le fort de la lame que tu. C'est le fort de la lame qui portait l'inscription. Pourquoi la coller là? Ça en jette. Ok, mais ça sert à rien, à mon avis. Pour que la magie de la reine fonctionne, il fallait sûrement que ces mots soient en contact direct avec l'éther du porteur de l'arme, autrement dit sur la poignée. Si on la façonne en y incorporant un bon conducteur éthérique, tu vas envoyer du bois. Par contre, si on veut le top du top, va falloir faire appel à des alchimistes tavernérois. Ben tiens, comme d'habitude! Moi, ça m'a tué hier quand j'ai game l'entreprise Excelsior. Bande de fans de Star Trek, grave. Et accessoirement, ça m'a fait chaud au cœur. Hein. Ma guilde de cœur sur un MMO favori Ragnarok Online s'appelait Excelsior. Ah bah voilà. Tu vois comme quoi le monde est petit et certaines choses sont bien faites. Mais moi, ouais, j'ai aussi énormément kiffé le fait qu'ils appellent le vaisseau l'Enterprise. Et je connais qu'une personne qui sonne leur petit papier. Son nom commence par un R, c'est ça? Bah évidemment, c'est Rowena. Et ouais, Rowena, c'est la vieille sorcière à ses entrées, c'est pas plus mal, remarque, sa maison des splendeurs. Bref, tout ça, c'est du blabla. Du coup, j'ai screen et j'ai envoyé ça à mon GM direct. Bah, t'as bien fait, à mon avis, ça a beaucoup dû le faire rire. Gros, ça avance, on se soucera des histoires, de gros sous plus tard. Toi, t'as qu'à réceptionner ma commande auprès de la sorcière. Bah ouais, j'ai un paquet de boulot ici, blablabla. Maître Gérald, retenez bien mon nom et mon visage, je m'appelle Zlatan, blablabla. Ok, il s'engueule parce que l'autre arrive pas à retenir le nom de l'autre. Hein, à la maison du thé, oui, ok. Une nouvelle lame pour Gunhildr. Alors on a une autre quête là-bas, on va aller voir ce que c'est. Et ensuite on va s'atteler à ces petites armes. Auteur étranger, qu'est-ce que tu veux toi? Hein, non, votre aide en Ivalice, machin chose, bidule, truc, machin, théâtre de blabla, blabla truc, ménuche, machin. Racontez votre combat contre Varys. On s'en fout à tous les coups. Ah bah voilà! Évidemment que ça allait nous débloquer un extrême. Nice! Bon, alors c'est où qu'il faut qu'on aille? Il faut qu'on aille à Mordona, au-delà des revenants. J'espère que vous passez une bonne après-midi, chat. Je vais pas tarder à faire une petite pause de 5 minutes, le temps d'aller me faire de me chercher un café, de faire un petit pipi et de me fumer une clope rapidos. Et on continuera notre petit programme de l'après-midi sur Final Fantasy XIV Online. Hop, mon tour. Mon tour, gros chocobo. Ah putain, c'était à coup gagné! Ça m'apprendra à lire les quêtes, bordel. Tu fais que du FF cet après-midi? Ouais! Je n'irai sur rien d'autre cet après-midi. J'avais pas envie, tout simplement. Je verrai pour les prochains streams, mais là non, j'avais envie de continuer d'avancer. J'ai quand même pris pas mal de retard. Bon, Rowena, dépêche-toi, s'il te plaît. Je savais que cette âne bâtée n'oserait pas se montrer. Merci d'avoir fait le déplacement à sa place. Perso, ça va alterner dans les semaines entre FF, une soirée rétro et d'autres games. Ouais, moi, je pense que ça va être ça aussi. On va faire pas mal de FF. Je vais laisser WoW un peu de côté jusqu'au mois de septembre. Une fois que j'aurai accès à la bêta de Shadowlands, on s'y remettra un petit peu. Puis on verra en fonction de ce que j'ai envie de faire. J'espère qu'il a conscience de la dette qu'il contracte. On dit en Orient que les riches meurent avec plus de regrets que les pauvres, mais tout de même. Ça fait mes affaires, cela dit, je vais pouvoir continuer de presser comme un citron la résistance Bosigène et par extension Gérold.
Ah bah, elle est vraiment toujours très sympa, Rowena, hein. J'aime vraiment beaucoup. Dites-leur que je me ferai une joie de leur fournir d'autres pincées d'écailles ombrales de Tavener, moyennant finance, bien sûr. Il en va de même pour toi, te connaissant, tu ne te contenteras pas d'une seule arme. Le commerce d'une pincée, blablabla. Très bien, très bien. Sinon, à un moment, on va pouvoir me dire concrètement ce que je dois faire pour cette putain d'arme ou pas? Attendez, je cherche où je peux me... Parce qu'il disait que je pouvais me TP. Ah, ça fait peut-être partie des hétérites urbaines. Ou alors faut à chaque fois repasser par le... Je vais regarder. Mais... Ah bah voilà, Gangos. Parfait. Il suffisait d'y penser. Ouh, il y a du monde ici, il y a du monde qui est sur les reliques. On va se marrer avec le prochain patch. On a fini de graver l'inscription, un petit coup d'enduit, blablabla. Ok. Voilà, madame, monsieur, dame. Nickel, ça me fait mal du derge de remplir les poches de la vieille bique, mais au moins on a tout ce qu'il nous fallait. Allez, forge-nous nos chakras, mon petit Gérolt! Ah bah t'as l'air finaud toi, monsieur le chat, avec tes lunettes. Sans déconner, chat. Ah, il nous a fait un HQ. Oh, des chakrams brillants. Parfait. Les mots de Gunhild réagissent bien avec ton éther. Voilà ton arme de la résistance, Illidias. La paire d'Enchoufla. Sans déconner, ils étaient bourrés quand ils ont créé les noms. Une des armes de notre reine vient de revoir le jour. Ainsi jaillit la première étincelle de notre révolte. Et réussir du premier coup, merci qui? Merci tonton Gérolt. Il se la pète pas du tout, lui. Vous êtes formidable, maître Gérolt. Ni plus ni moins. Lorsqu'Illidias a brandi son arme, il m'a rappelé les héros que j'imaginais dans mon enfance. Illidias, vous êtes le grand libérateur et portez maintenant l'étendard de notre ralliement. Toute la résistance bosgienne et notre chef Bazchadzpeu, ainsi que moi-même, nous vous prions de bien vouloir vous joindre à nous lorsque l'heure de la bataille aura sonné. Bah, on fera ça, mon bon. On fera ça, pas de problème. Bon, j'aurais bien continué de battre le fer pendant qu'il est chaud, mais je suis tombé à court d'écailles ombrales, moi. Nous ne pourrons renforcer. Essayez tout de même d'économiser ces écailles. Blablabla. Je suppose que c'est pour la renforcer et la faire passer au stade 2. Allez, ce soir, je m'envoie quelques coups pour fêter ça. Bah, voyons, toutes les excuses sont bonnes pour picoler, hein! Ah, c'est du 485 quand même. C'est pas mal du tout cette histoire. Vous avez désormais accès à une quête répétable auprès de Zlatan. Elle vous permettra d'obtenir les autres armes de la résistance. Incarner un job, blablabla. Les écailles ombrales, d'accord. Parfait. Donc là, on a la quête répétable. Créer une arme de la résistance, l'arsenal des résistants. Ouais, mais genre. Merde. Putain, quel con. Si je me fous en Sam, je peux pas déjà la choper vu qu'il est pas. Non, il faut que je sois. Oui, ça paraît logique, il faut que je sois 80. Va falloir qu'on monte le Sam, chat. Bon, ça c'est fait. Un peu. Trop simple peut-être. Étant donné qu'il y a juste... Eh mais pourquoi il me l'a pas équipé? Arsenal. Où qu'ils sont mes enchiladas machin. Putain, j'ai trop de bordel chat. Il va falloir que je fasse du tri. Tiens, ça tu t'en vas.
jeté. Parce que du coup, je suppose qu'il m'a rangé ce bordel. Et bah oui, bah c'est pour ça qu'il me les a pas... Voilà, hein. Et du coup, on est passé à du 469. À une choufla. Va falloir que je me renseigne un petit peu sur ce qui pourrait être intéressant à mettre comme matériel dedans. Ok, parfait. On a débloqué ces trucs là. Il n'y a rien dans le coin, à part la quête répétable. On va retourner à la maison de la compagnie libre. Et je fais 5 petites minutes de pause chat. Je me cherche un café, je fais pipi, je fume une clope et je reviens. Je vous dis à tout de suite. Me revoici, me revoilou, me revoilà mon petit chat. Bon, qu'est-ce qu'on a à faire? On a le défi solo donné par Gaius. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça tout de suite. On a une partie d'Eden à faire aussi. Les roulettes, on les a finies hier, il faut qu'on attende 17h. Tac, on en a pour 300 de repas, ça va. Tiens, on va aller jeter un coup d'œil.
au niveau du stuff que je peux acheter, il faut aller à Ulmore. Café, 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 chat, café. Le café, c'est la vie. Le café, c'est de la vie. On va chatoun. Coucher tout son long sur son grattoir, celle-ci, je vous jure. Bon, où c'est que ce que c'est? Mémo quartz. De guerre fabuleux. On a de quoi acheter une pièce. C'est du 490. Par quoi qu'on commence? Ou alors on économise et on achète d'abord les. Bon, on va faire ça. J'ai quand même bien envie de voir à quoi ressemble. À quoi ressemble le set. Essayer. Mémoriser les données. Tac. Chatoun, il n'y a pas de place, tu le sais. On fera des câlins après. Tu dis bonjour? Bonjour le chat. Bonjour le chat. Tac tac, les bras et les bottes. Bon, ça va, il est pas dégueu. Il fait plus machiniste que danseur pour le coup. Mais il est pas dégueu. Qu'est-ce qu'on a dans là? Les 7 cristariens. Comme ça, on peut pas avoir pour le moment. Il faut faire du. Il faut faire du sadique. Ouais, c'est le même skin en fait. On m'a dit que les équipements d'Eden étaient plutôt sympas. On va juste regarder. Ah bah je peux en acheter déjà. Ah mais je suis pas sur le bon. Je suis pas sur le bon truc. À quoi ça ressemble en tout et pour tout. Non, je. Ah oui, c'est. On peut pas les essayer les ceintures. Idiot. GG 0 pour ton 17. Ouais, on m'avait dit, ah, tu verras, les sets d'Eden, ils sont vachement jolis. Machin, machin. Ou alors c'est dans les. Dans les. C'est les 7 îles dont on m'avait parlé qui étaient sympas. Essayer. 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 Ouais. Bon, le heal est pas mal. Pas mérité là, je bosse donc, j'écoute à moitié. C'est pas grave, mon petit Zoro, tu es présent malgré tout. Ouais, hop. Vite fait, quoi. Je m'étais dit s'ils sont vraiment aussi sympas que ce qu'on m'avait dit. J'essaierai de me les faire. Bon, celui de. Des mages blancs, tout ça. Oublie pas de passer ça sur le live d'ailleurs, il y a un cadeau à gagner, ça marche. Je suis au boulot en plus. Ce soir, j'aurai le temps. Mouais. Je sais pas ce qu'ils m'ont raconté, les copains, mais c'est pas folichon cette histoire, hein. Il y a des trucs sympatoches à acheter sinon. Là-dedans. C'est du 450, on s'en fout. 400. On va peut-être juste regarder la gueule des armes.
Tu me les dégaines, s'il te plaît. Et ils arrivent pas à nous faire de nos soucis. Faut être follower pour participer, donc tu as tes chances. Ça marche. Bah, comme dit, je passerai faire un coucou. Je suis au boulot ce soir, donc j'aurai tout le temps. Ils ont du mal à nous faire des armes de danseurs qui soient jolies. Et je trouve ça un peu dommage. Oh mon dieu, la gueule du flingue. Oh. Quel malheur. Et là c'est quoi? Je sais même pas où on chope ça. Chaque rame de lumière. Ah super. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de jouer danseur, chat? Vous m'expliquez? Les armes sont dégueu. Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais monter le SAM? Est-ce que les armes du SAM sont jolies? Ouais. C'est un bête. Ouais, enfin, c'est un bête katana, quoi. Et chez Hades. Ah, sympathique. Ça changera un peu de ma transmo Kylo Ren. Tiens, Titania aussi, elle... Ah, celles-là, pour le coup, celles-là sont mignonnes. Ah, les armes de Titania, elles ont de la gueule. Faut arrêter de me prendre pour un jambon, un moment. Objet. Ah, d'accord. Donc, ces trucs-là, on peut déjà les acheter. Ok. Tête de grenouille. Arcaetonia, je sais même pas ce que c'est ça. Putain, le mec il est parti pendant 6 mois, il est paumé. Oh, trop cool. Vas-y, on veut la grenouille. Et ça c'est des mascottes et des montours. Des montours. Là, c'est les minerais des nains, les machins, des trucs. Les avoirs de Rowena Fantasma, mais ça, on n'en aura pas besoin. Et pour ça, du coup, il me faut quoi? Les machins cristariens, d'accord. Mais j'achète où la première version? Parce que moi, je veux bien les gens mis, hein, mais... Avec les fabuleux? Ah non. Où c'est que ça s'achète, ça? Dans les équipements, là? Non, ça c'est machin... voilà. 505? Putain, c'est pas mal, ça. Dans les divers, aussi. Ah! Ah bah voilà! Il faut des avoirs de Rowena fabuleux et un mémo quartz ultra résistant. Ça ressemble à quoi, ça? Oh god. Ouais, ben on va... Avant de faire l'arme, on va faire le... On va finir le set, hein. J'ai envie de dire. Et de ce qu'on m'a dit une fois matérialisé, les reliques sont plus intéressantes. Bon, on va essayer de se faire les accords d'Eden fulmination. De toute façon, j'ai quasiment terminé ce que je peux choper. Ouais, il m'en faut encore 40 et j'ai terminé pour les fabuleux hebdo. Où est-ce que je les échange, mes anciens poétiques qui servent plus à rien? Dans les mémos. Ah, c'est peut-être au glas. C'est peut-être au glas. C'est souvent là-bas que ça se fait. On va aller voir. On va aller voir, chat. Faut que je fasse un jeu en live juste pour l'interaction qu'il apporte avec le chat.
Dead Cells. Ah, je connais pas du tout celui-là. J'en ai pas entendu parler. Ah oui, là. J'ai tendance à me perdre un peu ici. Mimo Quartz. Voilà, géotique en fantasmagorique. Fais péter. Quoi, c'est tout? Oh les bâtards. C'est de l'arnaque. Arme rubis. Oh, elles sont pas magnifiques non plus. Un Die and Retry assez cool que j'ai déjà fait il y a longtemps, mais du coup j'ai vu qu'il y avait un module sur Twitch pour que le chat agisse pour ou contre toi. Putain, c'est génial ça! C'est trop cool! Ah, je sais où je dois aller. Il y a le... la reconstruction d'Ishgard. Yes, et comme je l'ai, je vais pouvoir me faire plaisir. Ah bah écoute, je passerai voir ça, ça a l'air rigolo, tiens. Faudrait qu'il fasse de toute façon plus de trucs comme ça. Le chat peut... c'est une idée à balancer à Twitch, hein, mais même un petit jeu de merde, tu sais, une petite connerie style plateforme à la Mario, tu sais. Ou en fonction des votes ou des machins du chat, ça te rajoute des trucs, ça t'en enlève, enfin... Ça pourrait être rigolo. Annonce de recrutement. Un avenir couleur azur. Blabla, blabla, blabla. Tomelin. Allons parler à Tomelin. Apparemment, il y a des trucs cool. Commis de Rowena, qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord. Il y a un petit... Ce sera fait frais après les Evoland. il est où Jean-Michel? Là-bas au bout. Zut. Zut de zut, hein. Ah, à chaque fois j'oublie que tu peux pas forcément sauter dans les trous dans ce jeu. Il y a des fois où ça casse quand même les pieds. Hein. Participons à la reconstruction. De ce que j'ai pu voir, il y a des... T'as kiffé d'ailleurs hier, There is no game, ou t'es parti avant? Non, je suis parti avant. Du coup, j'ai pas vu. J'ai dû aller rejoindre ma petite femme. Bien le bonjour, cher ami. Vous désirez vous rendre à Azuré pour participer au projet de reconstruction d'Ishgard? Votre permis de travail, s'il vous plaît. Ah, mais vous êtes machin truc bidule. Blabla. Au moins, tu t'es rien spoil, tu pourras le faire. Oui, c'est ça. Je veux participer aux travaux. Oh, il faut que je me renseigne un peu dessus. De toute façon, il y a un ou deux trucs que j'ai envie de faire le mois prochain. Dont les donjons de Nahulbuck, l'amulette du désordre, qui a l'air d'être bien bien funky. Du coup, je pense qu'on se fera ça. On se fera ça le mois prochain. Monsieur le superviseur général. Putain, mais que du blabla là, on s'en fout. Ça par contre, je louerai chez toi. Il a vraiment l'air funky. Honnêtement, il a vraiment l'air funky. J'attends de voir s'ils ont vraiment gardé l'esprit donjon de Nahulbuck. Mais ouais, j'ai envie de me le faire celui-là. Depuis le temps qu'on attend un jeu. Moi, j'attends la bêta de Noob en fin d'année. Bah, je savais même pas qu'il développait un jeu, tiens. Mais ça peut être drôle aussi. Manufacture, machin, truc bidule. Ok, dac, ok, dac, ok, dac, ok, dac. Bon, allez, ça m'a saoulé. Tout ça, on s'en fout. De toute façon, par où je vais, par là.
Si c'est le même principe que pour Doma, voilà. Oh bah, si, ils ont fait un crowdfunding en 2017, record d'Europe Ulule. Oh bah, pas suivi du tout, tu vois. Azuré, qui est censé devenir un quartier résidentiel. Une fois la reconstruction terminée. Ce qui sera plutôt cool puisque pour le moment 1 235 000, je crois, un truc du genre. Ah, quand même! Ils ont pas fait les choses à moitié. Non, c'est pas par là que tu dois aller, Ellie. Ils avaient demandé 90K de base. Oh vache! Ah bah, les gens se sont pas foutus de leur gueule, hein? Les gens se sont pas foutus de leur gueule. Après, enfin, honnêtement, c'est cool que des projets comme ça éveillent autant d'enthousiasme. Non, mais on est des oufs dans cette commune. Oui, bah oui, je vois ça. Après, enfin, on le sait, hein, que toute commune Twitch confondue, quand tu vois ce que le Z-Event peut rapporter comme pognon, on sait que les gamers sont pas les derniers à mettre la main à la poche pour ce genre de choses, hein. Bien au contraire. Ah, voyons voir ce que donne ce petit Eden. Le projet qu'ils ont fait en CF, l'encyclopédie. 532 662. Oh putain. Mais c'est des dingues. Les gens sont fous. Les accords d'Eden, fulmination. Très bien. Donc on va se taper un primo. Ah d'accord, c'est un espèce de Ramu. Et on a débloqué le jeu de rôle. Bah c'est génial. Va falloir que je m'en renseigne un peu là-dessus. Ouh! Sympathique le petit Ramu. Wow. C'est lui, le fameux Ramu. Dès qu'il sort, je me remets à la masterisation directe. J'en ai fait un peu durant le confinement avec les gamins du boulot. Qu'est-ce qu'on a? On va foutre ça sur Ninja. Ah bah ils attendent. J'ai même pas le temps de dire que c'est la première fois! Merde! Je connais pas du tout le combat, chat, hein. Je vous le dis. Je te ferai une place dans ma table si tu veux, avec grand plaisir. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de jeu de rôle en tant que joueur en plus. J'étais un peu trop bon MJ pour qu'on me laisse joueur. Au final, même mes MJ ont fini par devenir des joueurs. Sans vouloir me jeter de fleurs. C'est juste un fait. Ah. On suit le move. Ok, du coup je suppose qu'après il faut courir de l'autre côté. Il faut prendre une boule. Jusque-là rien de particulièrement compliqué. Oublie pas ta danse, Illy, s'il te plaît. Ah merde. Ça pète un peu dans tous les sens. Rechoper une bouboule. Quand tu connais aucun MJ, tu t'y mets. Bah c'est ça. Bah moi le truc c'est qu'à un coup j'ai eu envie, je me suis dit merde, j'ai aussi envie de tenter ce truc là, tu vois. Et voilà comment tu finis MJ à vie. Tac, rouge, bleu. Vert, danse. Ok, honnêtement là, je pense que j'ai vraiment eu chaud au cul, qu'on se le dise. On claque tout.
On est des fous. Et merde. Désolé, j'avais pas vu. Je vous lis tout de suite, hein. Je finis juste, étant donné que je sais pas trop ce qui m'attend là sur ce combat. Pour le moment, on s'en sort pas trop mal, visiblement. J'ai plus de paratonnerre. Ah putain! De base, je voulais juste jouer, d'autant plus que je connais très bon MG en ligne, mais aucun IRL. Ça, je me dis que ça pourrait être très sympa à faire en stream, ça. Une petite session, session jeu de rôle, avec un petit scénar sympa. Ah, je suis remort. D'accord. C'est parce que j'avais pas repris de paratonnerre. Bon, rien à foutre. Laissez-moi paratonnerrer. Pourquoi je peux pas para... Ah! Faisais pas chier, hein! Bon, là, on est mid-life. Pour une première fois, c'est pas mal. Ah, je suppose qu'il faut s'en aller. Ah, j'ai bien fait de m'en aller, visiblement. Ok, on reste là. Voilà, parfait. Six secondes. Tempête de foudre. Tiens, m'en fous, je mets la bouboule. Je suis pas certain que ce soit utile à ce moment-là, mais je m'en fous, je mets la bouboule. Putain, ça part dans tous les sens, c'est l'enfer. Oh putain! Alors là, c'est ce qu'on appelle la chatte du débutant, chat. Je suis passé entre, je sais même pas comment. Là, j'étais censé me faire défoncer, hein. Qu'on soit clair. Et remourir pour la troisième fois du fight. C'est lequel qui pète en premier, toujours sur la droite. Mais casse-toi! Allez, on se barre de l'autre côté, on prend une bouboule. On en laisse pour les petits copains. Merde, pourquoi est-ce que... J'arrive, chat, hein, j'arrive. Je me concentre juste un peu. Ah, là, j'ai pas échappé. Tu me jettes sur quoi? Aucune idée. Je t'avoue que j'en ai pas encore fait pour le moment. Il faudrait que je me renseigne un peu sur le truc. Ah, j'ai beaucoup fait de Donjons et Dragons. J'avais cherché aussi un système un peu simplifié pour les gamins du boulot. Là après, à voir. Pour du jeu de rôle en streaming, faudrait voir. Mais ouais, j'ai surtout fait du Donjons et Dragons. Et putain de merde! Y'a trop de trucs, chat! J'arrive pas à tout regarder! Bon, ça se passe bien pour les autres. Bon, on a quand même perdu un heal et un tank là. Faudrait juste qu'on arrive à la LB3. Comme ça le heal peut nous claquer une petite... Autant partir sur un système simple à la adventure. Descend, stat tranquille. Ouais, c'est ça.
Puis un truc un peu plus coolos, mode sans prise de tête, tu vois. Et ben il va tomber le sale petit Ramu. Le Ramu fâché. Bon, c'était du normal, hein, mais first try, GG. Bah, oui, first try parce que les autres étaient bons. Faut que je me trouve une lumière. Hein. Je suis un peu sombre, je trouve. Par rapport à la luminosité que j'avais avant, j'ai changé de pièce et là, ça me plaît pas beaucoup. Ça aide, ouais, grave. Oh, cool, j'ai. Ah non, j'ai encore rien gagné du tout. Je vais remercier nos petits heals et on va faire besoin surtout. On va voir si on gagne quelque chose. Et ben pour le moment c'est non. On n'a rien gagné. J'ai pas regardé si c'est si ces parties-là nous. Bon, je vous avoue que pour le coup, là, dans je suis absolument pas l'histoire, j'en ai rien à péter, ce qui est assez rare pour moi. Célérité, ténacité, piété, on va prendre les scellés. Et on va débloquer celui d'après. Et on va tenter celui d'après, du coup. Donc Eden, c'est l'espèce de vaisseau qu'on vient de voir passer là, pour ceux qui connaissent pas. GG Star pour ton level 48, GG Zoro pour ton level 18. Ok, c'est l'histoire, on s'en bat les couilles. Tout ça, on peut rechoper sur internet, tout ça là. Je... Pour le coup, les Eden, j'ai juste envie de les débloquer et... Et rien n'affiche. Parlez à Rin. Ok. Slash. Stimuler. Non, ça veut pas dire qu'on est en train de lui chatouiller Clito Chat. Tu te calmes. Je vous jure. Vous êtes insupportable, chat. Hein. Allez à l'endroit indiqué. Et c'est ici l'endroit indiqué. On re-rentre. L'Eden, c'est le vaisseau là-bas. Et vu que j'ai pas suivi l'histoire, je sais pas du tout ce qu'on a à foutre avec, hein, je vous le dis. Je regarderai ça plus tard. Comme dit, j'ai juste envie de... De débloquer les trucs, de faire les combats. Fureur. Ouh, ça sentirait bien du Ravana, ça. J'arrive, chat. Il faut juste que j'aille faire pipi, je reviens. Désolé, il faudrait que je diminue un peu ma consommation de café, je pense. Donc, on va aller sur les accords Führer. Allez, c'est parti. On a 10 minutes d'attente. On va vite continuer de quoi... Be careful avec le café, le cœur aime pas. Ouais, je sais. Je sais, je sais.
Il faudrait que. Mais bon, on peut pas tout arrêter en même temps. J'ai déjà dit que j'arrêtais de fumer à la fin de mon paquet de tabac. On va pas tout arrêter en même temps. Marcher. Je dis ça mais j'en abuse un peu aussi. Mais ça, c'est un truc de gens devant les écrans. Mais merde, même pas le temps d'arriver jusqu'au bordel que ça tag. Vous foutez de ma gueule? Quelle heure vit-on? 15h31, ça fait déjà 2 heures qu'on est en live chat. Je vous jure, je vois pas le temps passer en ce moment sur mes lives, c'est un truc de ouf. Moi je vapote, j'ai re-arrêté la clope il y a 2 mois je crois. Ouais bah moi ça va être ça aussi, hein. Je vais repasser par la vape. Je vais repasser par la vape pour arrêter de nouveau parce que je suis de nouveau à plus de 20 clopes par jour. En plus je les roule. Ouh. Ah bah non, idiot. Garuda, ah d'accord, Garuda et un petit frit. Sympathique, ça promet. Quand j'ai repris c'était la même. Je suis vite remonté à un paquet. Bon moi après j'ai repris il y a 3 ans quand j'ai commencé mon poste de veilleur. Qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau un petit ninja. Et ben hop. Merde. Faut que je le rechange. On a tous foutu notre truc sur le ninja, ça va pas du tout. Ah mais il faut encore que j'attende. Ouh, le combat commence pas bien. Il est stylé comme ça, il frite grave. Tac. Plutôt que tout foutre sur le ninja, faut pas déconner. D'accord, donc ça, il faut qu'on se foute tous ensemble. Et puis, un petit coup de main au heal. Là, tu sors. C'est pas la même team, non. Et merde. Faut que j'arrête de regarder le chat pendant que je combats, hein. Ça va pas du tout. Je fais nimp. Ces combats là, honnêtement, je fais pas beaucoup d'extrêmes, mais je pense que ça va être à tenter. Ouh, il y a des plumes. On n'aime pas les plumes. On peut se rapprocher. Là on court loin parce que ça va faire bobo. Ah bah Frifrit, on t'attendait justement. Tu nous avais manqué. On va balancer ça. Jaune, vert, tac, le buff, crit, on balance ça. Ah putain mais pourquoi pas maintenant, merde. Fait chier. Oh. Il nous refait un peu. D'accord, c'est juste un. On prend les mêmes et on mélange un peu les attaques. Boule de feu, boule de feu. Ah. Pourquoi tout le monde vient là? D'accord. Donc là 8 épées parce que lui il rabsorbe la bouboule je suppose. Rugissement ardent, ça se barre. Je suppose qu'il faut aller loin. Bah voilà, mais j'étais pas assez loin. Évidemment. Ok, et maintenant ils reviennent tous les deux, c'est ça? Évidemment. Et je suppose qu'il faut péter à peu près les deux en même temps. Sinon c'est pas funky lol.
Les plumes. Ok, c'est tout bon. On est pas mal, chat, on est pas mal. Pour des découvertes de combat. Tout le monde a l'air de taper à peu près Garuda, donc je pense que je suis pas trop mal. Et fuck. Le vent attise le feu, ensemble nous serons invincibles. Ah, ça s'appuie. Fusion! Comment il s'appelle? Raktapaska. Ouh. Chat, la grosse bête, elle est fâchée. Elle est très très fâchée. Je vais décéder. Putain, ça part dans tous les sens, c'est horrible. Alors qu'ils sont fusionnés, ils peuvent se défusionner pour venir te tabasser la gueule. Et puis quoi encore? Quoi? Ah, c'était peut-être pas le bon moment de raise en fait. Ah si, c'est bon. Mais va faire mon coulo, bordel. Ils sont sérieux là? Il y a tellement de trucs que tu vois même pas ce qui se passe. Son deck. Chat. Ça part dans tous les sens. Au secours. Ah merde, faut aller sur le Jean-Michel. Fuck. Désolé Jean-Mi, j'ai oublié. Excuse-moi, petit Jean-Mi. Bon, honnêtement, la fusion des deux est stylée. Hein. Mais vache. Ah, merde, faut aller au milieu. Filer un petit coup de main au heal. Pourquoi tout le monde s'en va? Mais pourquoi tu viens chez moi? Ouh, eh oh, oh, non, 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 non. Mais... En vrai, ce soir, je pense que je vais trahir les experts que j'ai en live. Et voilà, pas des rues. Plus de gros... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bizarrement, plus il était prêt, moins il prenait de dégâts avec le hurlement ardent. Ouais, du coup, je pense que j'aurais dû rester collé à lui. C'est boss qui enchaîne les zones. C'est pas cool pour les casters. Mais tu comprends pas. Il y en a partout. Un petit reste, s'il vous plaît. Ou une LB3, comme vous voulez. Mais pourtant, pour le coup, ce fight-là, je me suis pas trop mal démerdé, hein. Jusque là j'ai réussi à pouic dans tous les sens comme il voulait. Mais non, il y a un moment ou un autre, il fallait que je décède. Il faut que je fasse honneur à la chaîne, chat. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez une petite commande sympathique qui permet d'augmenter mon compteur de mort. Mais peu de gens la connaissent, d'où le fait que le compteur soit si bas. Mais si ça vous éclate de compter mon nombre de morts, faites-vous plaisir. Point d'exclamation, mort. Ah, bougez-vous le cul, les Jean-Mi. Ah, c'est pas con ça. Ouais, c'est drôle. J'avoue, j'ai un peu piqué l'idée à tonton.
Mais tonton, si un jour tu passes par là, merci pour tout. Je vais te piquer l'idée, bah fais-toi plaisir. C'est aussi comme ça que tu crées l'identité de ta chaîne, mon petit Zoro. Du coup, j'ai découvert tonton. Ah ah, t'as vu? Il est cool, tonton. Il s'arrête jamais, ce mec-là. Il est incroyable. Sinon, tu veux bien m'attaquer le boss, s'il te plaît? Bon, ça reste du one try, hein, mais... Il a proposé un live sur New World, alors je voulais voir ça. Je suis pas convaincu par ce jeu. Je t'avoue que j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps. J'essaie de regarder autant que je peux les lives de Tonton, parce que c'est vraiment un streamer que j'aime beaucoup. C'est lui qui m'a donné envie de me mettre au stream, pour être tout à fait honnête. Mais là, pour le coup, ça fait quelques temps que j'ai un peu de mal à le suivre. Mais j'adore. Il est absolument incroyable, ce Tonton. Magnifique et tout, mais PVP avant tout. Ah ouais, non, c'est pas trop ma cam du coup. Va-t-on gagner quelque chose cette fois, chat? Malgré notre petite mort d'inattention. En même temps, je suis parti là-dedans, j'ai toujours pas... Faut que j'attende que mon pote Rico soit là pour qu'il me foute les matérias sur la relique. Ok, on a gagné un petit rook, chat. On va aller débloquer la partie d'après. Blablabla. Tu es trop fort. Ouais, je sais. Vivacité, célérité, téné. Ouais, c'est tout le temps les mêmes. Hein. On va changer un peu au cas où. Il va falloir que je m'en mette à l'HV aussi, histoire de regagner un peu de pognon. J'aimerais bien me racheter une maison. Parce que oui, il fut un temps, j'avais une maison, chat. Et je l'ai perdue. Je suis tristesse. Faudrait que je les utilise, les matérias. Pendant le pexing, tu t'en bats les couilles. Hein. Honnêtement. Hein. Les matérias, pendant le pexing, tu t'en pètes. Hein. Te fais pas chier avec ça pour le moment. Hein. Une fois que tu seras arrivé 80, t'auras bien assez à te prendre la tête avec. Hein. Le housing, c'est pas mon truc. Bah, honnêtement, celui d'FF est vraiment bien foutu. Puis moi, en plus, bah, c'est mon pote là aux 92 millions qui m'avait offert la maison et qui m'avait quasiment tout foutu dedans. J'avais quasiment rien eu à payer. Bah, tu changes tellement d'équipement. Bah, c'est ça. Pendant la phase de pexing, épopée, tout ça, t'as absolument pas besoin, en fait. On s'en pète, hein. Non, mais c'est le principe que je suis pas fan. Ouais, ça, après, encore une fois, c'est une question de goût, hein. Mais pas du tout française, ma phrase. C'est pas grave. Tu peux parler chinois, si tu veux. Tu peux parler vietnamien, tu peux tout parler, tu sais, hein. Y a pas de problème. Hein. En ch'ti? Ah, tu peux parler en ch'ti si tu veux. Je commencerai à parler en alsacien, on s'entendra bien. Hé, Bilout! Hein? Oui, je sais, c'est devenu un peu stéréotypique ça depuis le film de Baby Boom, hein, mais. Je saurais pas parler en ch'ti. Mon père saurait, vu qu'il habite à Lens maintenant depuis quelques années. On s'entendra bien, mais on se comprendra pas, c'est exactement ça. Mais je m'étais dit un coup que je devrais faire un stream entièrement en alsacien, ce serait drôle. Bon, j'aurais probablement plus que des Allemands dans le chat, ou personne dans le chat, mais ça pourrait être funky lol, un stream entièrement en allemand, en alsacien. Sur du Fall Guys, où j'insulte les gens en alsacien, vu qu'ils maintenant ils jouent tous sales sur Fall Guys. Ou sur du Overwatch, tiens. Délai d'attente moyen 6 minutes. D'accord. Bon, je vais pas essayer de retenter d'aller faire un tour à machin bidule chose, hein. Juste voir un truc. Ah ben voilà.
J'ai hésité à me le prendre, mais c'est le genre de jeu sur lequel je fais 10 parties et après j'arrête. Je pourrais pas stream des heures dessus. Ah, moi honnêtement, il m'éclate. Hein. C'est, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un petit jeu qui coulole comme ça. Après, je t'avoue que je l'ai pris aussi parce que il était gratos, gratos pour ceux qui ont le PS Plus. Donc je l'ai pas sur PC, je l'ai sur console. Ouais, mais faut y jouer vraiment en pote solo bof quoi. Ouais, après honnêtement, hein, pour le coup, y jouer en pote, ça change pas grand chose, puisque même si tu joues en équipe, si tu te fais éliminer, tu te fais éliminer. C'est juste que tes potes peuvent continuer. Hein. Mais ça change pas grand chose au final. Hein. Sachant que t'as soit sur la première map, t'as 60 mecs, ça change vraiment que dalle. Hein. Non mais pour le côté où tu te marres quoi. Ah oui, clairement, clairement. Bah moi j'ai fait. Ma chérie l'a pris aussi. On joue un peu de temps en temps ensemble. Des barres de rire. Des barres de rire. Et puis voilà, ça fait, c'est pour le coup, je trouve ça bien que ce soit pas un truc spécifique à une plateforme. Parce qu'il y a quand même bah, des consoles comme la PS4 où je trouve que ça manque de jeux. Après, tu me diras, oui, ce style de jeu, c'est plutôt, plutôt des trucs que tu vas trouver chez Nintendo. Et je te dirais, oui, c'est sûr. Mais la PlayStation manque vraiment de jeux un peu funky lol comme ça. À faire à plusieurs, surtout si t'aimes pas les jeux de combat, ce genre de choses, enfin c'est pas vraiment une plateforme faite pour. Alors que je pense que tu vas pouvoir plus facilement trouver ton bonheur sur la Switch, par exemple. Grand fan de Nintendo, mais bon. Et du coup, c'est bien que Fall Guys soit multiplateforme, même si au niveau du jeu en lui-même, il n'est pas cross-plateforme, ce qui est dommage. Selon moi. Mais bon, on peut pas tout avoir, chat. Hein, Ça pour le coup, oui. Après, il me semble avoir lu qu'il justement il réfléchissait à la possibilité de rendre les serveurs cross-platform. Après, j'ai envie de leur dire, avant de rendre les serveurs cross-platform, stabilisez-les déjà. Après, on retravaille sur le. Parce que là, tous les deux jours, il y a une mage ou les serveurs qui plantent parce qu'il y a trop de monde sur le jeu. C'est l'enfer sur Terre. Enfin, après, je voudrais pas être à leur place, hein, honnêtement. Hein. Et franchement, ils auraient pu le faire vu qu'il n'y aurait pas de favoritisme console ou PC. Ça plante beaucoup. Honnêtement, je pense qu'ils ont été. Ils ont été surpris par le succès du jeu. Après, il y a beaucoup de gros streamers à travers le monde qui en ont fait la promo. À ce niveau-là, c'est vrai que la maison d'édition a vraiment bien joué ses billes. Mais je lisais un article où il a été téléchargé quasiment 3 millions de fois en 2 jours. T'imagines 3 millions de fois en 2 jours? Je pense qu'ils s'attendaient même pas au tiers de ça. Donc non, les serveurs ont pas tenu. Les serveurs ont pas tenu. Que ce soit les serveurs de préparation ou t'as tout qui lâchait en plein milieu. C'était affolant. C'était affolant. Là, ça s'est stabilisé un peu. C'est un peu moins la zermi quand tu veux jouer. Mais bah, y avait encore une mage ce matin, enfin une maintenance ce matin. Parce que ça galère toujours encore un peu. Hein. Après, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont déjà level 40, tu te dis, mais les gars, ils ont dû passer jour et nuit dessus. Ouais, il rajoutera, mais etc. Bon, je sais pas trop ce qu'ils foutent, probablement. Mais ouais non, ils ont du mal à suivre, ils ont vraiment du mal à suivre au niveau des serveurs. Allez tag, l'iconoclasme. D'après vous, quel primo ça pourrait être l'iconoclasme chat? Parce que là on a eu Titan, on a eu Léviathan, on a eu Ramu, on a eu Ifrit Garuda. Je sais pas trop.
Je sais pas trop, pour le coup, j'ai un petit... On verra. On va bien voir ce qui nous attend dans ce l'éveil d'Eden, chat. Tous en même temps. Oh putain, t'imagines, déjà là, c'était le bordel. Alors t'imagines si on se tape tous les primos en même temps. Oh la vache. Mais après, ça pourrait être un délire pour les développeurs. On vous sort ça tout en sachant que de toute façon, vous allez crever. T'imagines, début du combat, boum, tout le monde est mort. Parce que tu t'es pris les plumes de Garuda, les machins au sol de d'Ifrit, le saut de Titan, le tsunami de Léviathan, et la foudre de quand tu pètes pas tous les gugus autour de Ramu. Tiens, allez, bim. On met tout le monde d'accord d'un coup. Merci, bonsoir, au revoir. Vous repasserez quand vous serez prêts. Et vous ne le serez jamais, moi. Ifrit avec des ailes dans l'eau qui appelle des éclairs, c'est ça. C'est ça. Et avec le bâton de Ramu dans le cul pour le faire avancer. Allez, avance. Avance. Allez, allez vite. Allez. Ça pourrait être drôle. J'écrirai à Square Enix pour leur proposer l'idée. Si jamais vous avez des idées, des idées magnifiques comme ça, chat, n'hésitez surtout pas, je suis toujours preneur. Et promis, j'essaie de les faire remonter. Déjà, on va me dire, mais t'es qui, toi? Hein? Monsieur Jean-Mi, tu te permets de nous faire hein? Et tu n'es personne? Enfin, si, tu es toi, parce que personne n'est personne. Tu es toujours toi, chat. Ne l'oublie jamais, ne laisse jamais personne dire que tu n'es personne. Oula, tu promets des choses bizarres, toi. Ouais, bah, après, je peux... Promettre de faire remonter, je peux. Hein, il y a assez de machins pour faire remonter tes avis, tes machins, aux développeurs de nos jours, hein, c'est pas un problème. Après, que ce soit pris en compte au sérieux, que ce soit implanté dans le jeu, ça, j'ai pas promis. Moi, j'ai juste dit, je fais remonter, hein, c'est tout. Après, pour le reste, tu se démerdes. Hein. C'est pas moi qui décide, chat. Non. Bon, sinon, ça tag à un moment ou... On boit un coup ou on s'encule? Perso, j'ai pas trop soif. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque deux dips et un heal. Bon Zoro, qu'est-ce que t'attends pour monter de niveau là? Allez hop, on cravache. Je te mettrai une petite chanson rien qu'à toi, rien que pour toi quand tu seras passé 80, mon petit Zoro. Et qu'on ira faire. Qu'on ira te faire les Eden. Mon grand-père sera fier de moi. Ah non, mais moi la ceinture, je peux la choper déjà. Plutôt une bonne nouvelle. Allez! Putain! 10 minutes d'attente, vous vous foutez de ma gueule! Y'a pas un truc dans la recherche? Recherche d'équipier. Memoria Misera, ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça c'est du vieux, ça c'est du vieux. Le trône du sacrifice. Ah, ils nous ont laissé la recherche de Reka. Ça va être... Honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir comme Reka pour cette extension-là. Puisque c'est déjà prévu. Attends, là je galère avec le dual screen de mon PC de bureau. Travail, monsieur, travail. Un peu de sérieux, s'il te plaît. Je dirais bien, je vais me fumer une clope, mais tu vas voir que je vais me lever. C'est là que ça va tag. Traquoi ? Ouais, c'est ce que je me dis aussi à chaque fois que je suis de nuit. Traquoi ? Je suis un glandeur, moi, monsieur. Et en plus, t'es fier de toi.
Ah bah bravo! Allez là, on a perdu un tank maintenant, bordel. Eh, je me suis... Ça marche pas. Si seulement j'avais le temps de glander. Ouh. Si tu savais, si tu savais, mon bon. Si tu savais. Non, chatoune, il n'y a pas de place pour toi là. Tu descends. Hop. T'es venu faire un coucou tout à l'heure? Faut pas déconner. Chat, ça veut pas de tag! Faisais quelque chose, quoi! Ça, c'est Stormblood, on s'en fout. Que je tente les extrêmes quand même un coup. Ça c'est quoi déjà? Ah oui, c'est les missions machin. Et ça c'est les vieux donjons. Et les roulettes, on les a déjà faites. S'attaque pas! Malédiction! Laissez-nous jouer. Laissez-nous. Bon, on va aller. Combien tu paries, chat, que je vais me re-TP à Ishgard? Que ça va me dire. Ah bah t'as tagué! Tu fous ma gueule, le jeu. On retourne au marché. On va les débloquer azurés. Destination. Ah merde. Ah non, du coup je peux même pas le faire maintenant. Bon allez fuck, je vais tirer de là, je reviens. Si ça tag, vous criez chat, d'accord? Que je vous entende. Je suis juste là, mais il faut crier fort par contre, hein? Sinon je vous entends pas. Ouais, tu comprends le principe chat, hein? À tout de suite. Donc voilà, chat. Il fait trop chaud, on a fait tomber la chemise et ça a toujours pas tag. Et si je sors et que je re-rentre? Technique de Sioux que m'a donné un ancien indien un jour. Zut, j'avais préparé mon message de cri. Ah, bah, écoute, tu pourras crier quand même au cas où. On sait jamais. Un avenir couleur azur, c'est quoi ça? Ah bah c'est ça. C'est ça, c'est ça.
Le reste, on a fait. Bon, allez. Ah, ça nous remet moins de 5 minutes, chat. Ça nous remet moins de 5 minutes. Avec un peu de chance, peut-être que... Allez! Reviens, JPP, reviens. Bon, c'est pas grave, j'ai en profité pour vite faire regarder un truc sur internet. Tac. Ah, les cons. Ah, forcément, l'après-midi où je veux y aller, ils sont fermés. Bande de connards. Bande de cons. Bande de cons. Mais allez, quoi, ça fait déjà 20 minutes qu'on attend, sérieux. C'est pas possible, faites quelque chose. Révolution. Révolution. Où ça y est, le petit coup de pompe de 16h qui est là, chat. S'il vous plaît, pour taguer. Eden, résurrection, on s'en fout. Ça aussi, on s'en... Bah non, on a plus qu'à attendre, chat, hein, on n'a pas le choix. Et c'est la misère. C'est la mort. C'est la tristesse, chat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, chat, c'est comme ça. C'est la Zermie. De chez Zermie. Je dirais bien je commence le truc, mais si en plein milieu ça tag... GG Zoro pour ton 19. Quand ça veut pas, hein. Je vais finir par aller faire la sieste, chat, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le PC de taf en PLS quand je dézippe un dossier. Ah bah c'est bien. Vous avez de bons outils de travail, mon cher monsieur. Dites donc, ça fait plaisir. On dirait moi avec mon ancienne bécane. Il y a de la joie. On tourne. Allez, je veux voir combien de personnes du chat j'arrive à faire vomir. Sans me compter moi, hein, sinon c'est pas drôle. Non, je plaisante, chat. Je plaisante. Pas taper, on se calme. Et c'est censé être un PC spécial développeur, justement, donc plus performant. Et il est vieux l'ordi spécial développeur plus machin chose. Voyageur du désert d'ocre rouge, chercheur des vérités cachées. Oh bah il doit pas être tout jeune, ah bah même un truc spécial développeur qui a 150 000 ans, c'est comme pour le commun des mortels, c'est de la merde, hein. Et c'est la merde du coup. Déjà qu'il me fait tilt avec son bug de la prise HDMI. La loose. La loose.
Voyez, chat, y a pas que. Même les développeurs, ils sont dans la merde. C'est pour ça que tout prend du retard, chat. On ne donne plus aux gens suffisamment de choses pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Oh. Excusez-moi. On commence doucement et dur. Servant, en quoi puis-je t'aider? À rien du tout. À rien du tout. On veut juste tag. Mais ça veut pas, on est déjà de nouveau à plus de 6 minutes. Il n'y a pas de tank, il n'y a pas de DPS, il n'y a pas de heal. Mais que font les gens? Laisse tomber, je suis dégoûté. Début de confinement, je prends le PC de chez moi, je branche ma prise HDMI, elle débloque dedans, elle se bloque dedans. J'ai perdu une prise HDMI perso. Putain, super. J'ai qu'une chose, une seule chose à dire. Joie. J'appelle le service technique le lendemain, je prends rendez-vous. Il me rejoint et il a réparé ça en tirant dessus comme un bourrin. Ah, et sinon, il sait que ça, nous, on peut le faire tout seul à la maison ou c'est comment? Et du coup, il m'a niqué ma prise. Bah, merci le technicos. C'est particulièrement sympathique de ta part de niquer le matos. On va aller voir ailleurs si j'y suis, chat. Parce que là, ça me gonfle de tourner en rond. On va aller voir si les trucs de l'éveil, c'est un peu plus sympathique. Alors oui, mais non, en fait. Faut pas que je le fasse, c'est le PC de boulot. Si moi je le fais et que PC a un souci, c'est ma faute. Ouais, enfin, non, mais c'était plutôt dans le sens où tirer comme un bourrin dessus, il n'y a pas besoin d'être service technique pour le faire, quoi. Enfin, sans déconner. Ah d'accord, c'est ça que je peux acheter en fait. Je suppose que les autres c'est dans le sadique. Et c'est du combien ça du 480? Eh ben on va prendre ça en attendant. En attendant d'avoir mieux. Sinon il faut 2. 2, 4, 4, 2, 1. Ah bah cool. Nice! On a chopé une petite piécette un peu plus sympa que celle qu'on avait. On est passé à 473. Ah non, faut pas sortir de Saint-Cyr, c'est sûr. Ah bah non, clairement. Puis là, enfin, merci. Bonjour, service technique, j'ai un problème de prise HDMI. Est-ce que vous pourriez me venir me filer un coup de main? Pas de soucis, je viens avec la pince multiprise. Je tire dessus jusqu'à ce que le bordel pète. Moi, je vais pas m'emmerder. Mon stuff, je l'achèterai. Ah bah oui, je pense que c'est mieux. Après, comme dit, enfin là, c'est des machins. Alors pour les, pour ces parties, pour les parties de l'accord, je sais pas si si tu peux déjà en choper plusieurs par semaine, mais sinon, voilà. Hein. Ah, ils sont collecteurs. Et bonsoir par ici. Salut mon petit Locke, comment va? Effectivement, là, ton service technique était particulièrement collector. Ouais, ils vendent du rêve, hein. Bon, ça veut pas tag, chat, ça m'agace. On va pas s'en sortir de leur connerie. Tranquillement, j'ai chaud, et toi? Comment on va? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, je te remercie. On essaie de taguer sur l'accord d'EDN Iconoclasme, mais ça ne veut pas. Donc on attend sagement en faisant des tournicotis, tournicoto, zébulon. Mais ça n'a pas l'air d'aider. J'ai appelé Satan, il veut pas m'aider non plus.
Il a dit que ça servira à rien, que je lui revende mon âme pour taguer plus vite. Donc j'attends. Il n'y a que ça à faire. Ah, j'ai craqué. Hier, j'ai pris la free version de FF14. Nice! C'est génial, ça! En plus, il me semble que maintenant, tu peux monter jusqu'au level 60 sur la version gratos. Ce qui est plutôt cool, parce que ça te permet déjà de voir une belle partie du jeu. T'as le jeu de base et la première extension comprise dedans. Ça te permet aussi de débloquer le machiniste, l'astromancien et le chevalier noir, ce qui est plutôt cool. Ah, désolé, j'accepte plus d'âme en ce moment, trop de personnes avec le Covid. Ah, la connerie des humains, le Covid. Bref, n'en parlons pas. Je sais pas comment ça se passe pour vous au Canada, mais en France, on est géré par des branquignolos. Bah, on m'a conseillé de maxer ce que je pouvais avec la version gratuite. Bah ouais, clairement, clairement. Bah dis-toi que tu... Enfin, si tu restes sur la version gratos, au niveau des classes, tu peux déjà monter. Paladin, guerrier, chevalier noir, moine, chevalier dragon, ninja, samouraï, barde, machiniste, mage noir, invocateur, mage blanc, érudit et astromancien. Ok, j'habite en Alsace. Ah oui, non, pardon, j'ai confondu avec l'autre. Excuse-moi. Eh ben, salut compatriote alsacien, ma foi, puisque je le suis moi aussi. Ouais, pas mal de choses en soi, bah grave. Danseur aussi, pas sur la version gratos, si? Puisqu'en théorie, le danseur a été mis, a été ajouté avec la dernière extension. Et tu peux pas le débloquer avant le level 80, à moins que ça ait changé depuis, hein, vu que j'ai eu une absence de quelques mois sur Final Fantasy, c'est fort probable. T'es de quel coin, mon petit Locke? Ah, je sais pas, mais j'ai débloqué à Ishgar, je crois, non? Moi, je l'ai, hein. Le danseur? Ah, peut-être. J'irai vérifier. Peut-être qu'il y a des niveaux de déblocage qui ont changé. Mais peut-être bien. Peut-être bien, ouais. C'est possible. Moi, je l'ai unlock level 60. Ah ouais. Strasbourg à côté de Cronenbourg. Ah bah effectivement, t'es vraiment pas loin. Je suis à Saverne, à une trentaine de bornes de Strasbourg. T'es un voisin? Putain, c'est qui ça? Conscience de l'antithèse, idole des ténèbres. Ils sont si nombreux. Faites très attention à vous. Je sens qu'on va se marrer, chat. On va juste dire que c'est la première fois, histoire que je me fasse pas taper dessus. Vous vous en faites pas si je vous lis pas, chat. Étant donné que je suis sur un petit bobos, j'essaie de me concentrer un peu. Mais juste un peu, hein. Parce que là, je vous avoue que j'y vais complètement, la one again, la beast to fly. Hein, je sais absolument pas ce que je dois faire, où je dois me mettre, ni pourquoi, ni comment, ni quoi qu'est-ce, ni voilà. Ah, je sens que ça va partir d'abord tout à gauche, et là qu'il faut bouger. Ah ah ah! On les comprend, les mécaniques! On n'est pas complètement... Ouh! Ouh! Bien au milieu, c'est ça? Je la sens moyen, cette histoire, quand même. Ah, ils ont tous avancé, les cons. Et dites rien surtout, hein, vous avancez tout seul comme ça, les petits nouveaux, hein, pensez à eux un peu, merde. Ah!
Oh fuck, il y a des trucs sur le côté. Il faut aller où? Faut aller sur le rouge, le bleu, le vert, le... J'en sais rien moi, tiens, on se court. Ah, aïe. 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 J'arrive chat, hein, vous en faites pas. Je reviens vers vous tout de suite. Je fais juste un peu gaffe à ce qui se passe sur mon jeu. Ah ! C'est quoi cette connerie ? Putain, c'est quoi ça ? Oh putain, mais... Je pourrais presque venir en trottinette électrique. Ah ouais, presque. La seule ville que je connais par chez vous, c'est Mulhouse. Oh, c'est pas très très loin d'ici. C'est pas la plus belle ville d'Alsace, mais c'est pas très très loin. C'est à peu près une heure et demie de chez nous. Je me suis fait mourir comme un teubé, chat. J'avais pas compris que le bordel, il allait me TP là où il y avait l'autre bouboule. Et vu qu'on me dit jamais rien, hein, pauvre petit Calimero que je suis, ben voilà ce que ça donne. Oh oh. Il y a des violets et des blancs. Et il faut faire quoi? Ok, les blancs vont sur les violets et les violets sur les blancs. Très bien. On essaie de suivre, chat, hein. On essaye juste. Et là, je suis blanc. Donc il faut que j'aille sur le violet. Là je suis violet, donc il faut que j'aille sur le blanc. Là je suis blanc. Ils sont où? Ils ont pas pop. Ah! Au secours! Très sympa comme combat. Ok, je me suis... Au moins pour le coup, je me suis pas fait TP dehors. C'est déjà une bonne chose. Ah ! Ah ! Chat ! Ça part dans tous les sens, c'est l'enfer! Au secours! Aidez-moi! Sortez-moi d'ici, c'est tout gluant! Il y avait une nana seulement, mais comme ça l'a pas fait, je suis pas revenu dans la région. Merci pour le slash mort, mon petit Zoro. Méchant, reviens, mais... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah fuck. Quelle couleur je suis? Violet. Non, blanc. Donc faut que j'aille sur le violet. Ah mais c'est quoi qui tire en premier? Non, faut que j'aille sur le blanc. Ah! Je suis toujours blanc. Maintenant je suis violet. Sur le blanc. Honnêtement, pour le coup, ça c'est vraiment une mécanique plutôt sympathique. J'aime beaucoup. Je bite pas forcément tout ce qui se passe, mais j'aime beaucoup. Ah! Je vais encore me faire TP dans les trous. Oh putain! J'avais pas vu. Il y avait un météore, chat. Je file un petit coup de main au heal. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Et à part la mort de deux dans le trou, pour le moment, on gère. Hein. Uh-oh.
Bon, là, je pense qu'il faut que je suive le move. Ah, je suis là, venez sur moi. Au secours. C'est la guerre, chat. Putain, il y avait un truc, j'ai pas vu ce que c'était, je vais encore crever comme une merde. Yes. C'est propre, chef. J'essaye. Bon, honnêtement, pour le coup, je trouve le combat plutôt sympa. Je pense qu'en extrême, il doit vraiment être funky lol. On a eu qu'une mort pourrie. Tiens, je vais honorer l'autre danseur. Parce qu'en tant que danseur, on est mal aimé de toute façon. Yes! J'ai gagné un pantalon et des gants. Ça a été gagné par quelqu'un d'autre. Ça aussi. Et ça aussi. On va aller débloquer la dernière partie. Quelle heure vit-on? 16h22. Non, je m'en fous du Ryongé. C'est Réarin que je veux parler. Tiens, vivacité. Hop. Il a l'air cool. En extrême, par contre, les rayons doivent one shot. Je pense que si tu te loupes en extrême, tu l'as dans le cululu. Et proprement. Hop là. Va encore falloir que je ressorte et que je re-rentre. L'accord d'Eden éclat. Dans le cululu net et sans bavure, exactement. Bon. Faisons cette dernière partie des accords. On nous dit moins de 5 minutes. On nous a dit ça aussi tout à l'heure et on a entendu presque une demi-heure. Chef. Il chope à knacker, c'était l'autre chef. Si c'est les mêmes 5 minutes que plus tôt, ouais c'est ça, c'est les minutes Windows. 5 minutes deviennent 5 heures. Square Enix, il faut pas faire comme Windows, c'est pas une bonne idée, ça marche pas bien. Et après les gens ils ragent. Si c'est vrai. Bon pour le moment on a 3 dips sur 4, mais on n'a pas de heal et pas de tank. Nous verrons bien ce que cela va donner, chat. C'est trop rare d'entendre de l'alsacien sur la planète Twitch. Merci pour ce moment. Bah, je disais tout à l'heure à Zoro, justement. Je me disais que, juste pour le délire, faudrait une fois que je me tape un stream entièrement en alsaco, ça pourrait être drôle. Je le parle depuis que je suis tout petit, donc bon, je l'ai perdu un peu parce que je suis parti vivre en Lorraine pendant quasiment 10 ans. Bah, la Lorraine, bah, va des rétros, les Lorrains, va des rétros. Oye, personne te comprendra. Si, faut que je mette dans le titre que c'est de l'alsacien et peut-être qu'il y aura des Allemands qui viendront faire un coucou, mais non, sinon personne comprendra rien. Hein. Mais moi, ça me fera rire. Ah, les têtes de quiche. Ah, surtout les 57. Hein. Les 57, c'est le mal. S'il y a des 57 dans le chat, vous m'excuserez, mais... Vous savez pas rouler, les gars, sans déconner. Allez repasser votre permis. C'est pas possible. Dès que vous descendez le col, on dirait que... Il y a plus de code de la route. C'est fini. Et je peux rouler... hop là, tout chousse, tout droit, toujours.
Il y a un rond-point, c'est pas grave. Hop là, par-dessus. Moi, je suis de région parisienne. Et ben, tu comprends pas grand-chose. Tu comprendras pas grand-chose à ce que je raconterai si je fais un stream entièrement en alsacien. C'est une certitude. Ah. Bon, on est 4 dips, mais on a toujours pas de tank et pas de heal. Ah, les parigots. On aime bien Paris. Alors, les parigots sont pires que les lorrains sur les routes. Je me vengerai avec un stream en ch'ti, c'est pas grave. Ouais, mais le ch'ti, c'est à peu près compréhensible quand même. Si tu fais un peu attention, tu comprends. L'alsacien... Non, les parisiens savent très bien rouler. Mais à Paris, oui, c'est ça. Une fois qu'ils sortent de Paris, ils n'ont pas compris qu'ils avaient plus besoin de rouler comme des trous du cul. Hein, on n'est pas sur le rond-point de l'Arc de Triomphe. Hein. T'as pas besoin de forcer le passage tout le temps, de klaxonner dès qu'il y a un truc qui va pas. J'ai vécu 5 ans en région, donc vous puez sur les routes. J'ai l'impression d'être un robot avec ce casque sur la tête, je vous jure. Bon, je sens que c'est parti pour les 5 minutes Windows qui vont se transformer en une demi-heure chat. C'est la même merde. Après, je dis ça, je suis le connard qui traverse au milieu de la route. Mais ça, c'est normal. Moi aussi, je traverse au milieu de la route. J'ai fait les comptes. Hein. À faire les comptes, je me suis fait rouler 37 fois sur le pied. 37 fois. Moi, je sais, faut être con. Bon, après, plus ou moins, tout le monde pue sur la route. Quand vous roulez à Paris, hein. Oui, c'est... Enfin, oui. Je t'avoue que si je dois aller quelque part et que je suis censé passer par Paris, je contourne. Faut que je passe par Paris. Et c'est en France? Parce qu'ils sont bizarres, là-bas, hein. Il roule pas comme tout le monde. Et puis il y a toujours plein de gens. Et ils savent pas que les autres gens autour ça existe. C'est juste eux. Je vis en région parisienne depuis toujours. Je traverse évidemment pas sur les passages piétons. Et ça ne m'est jamais arrivé. Non mais ça c'est parce que... voilà, vous êtes à Paris. Vous êtes pas comme tout le monde, c'est tout. Mais on vous aime bien quand même, hein, c'est pas grave. Mais nous, en province, on est un peu plus... Voilà. Civilisés. Enfin, sauf les Lorrains. Enfin, les 57, les Mosellans, quoi. Sinon, les autres... on est à peu près normaux. Enfin, normaux, j'aime pas ce mot, parce que qu'est-ce que la normalité? Ça pourrait être un débat qui pourrait partir très très loin. Mais... S'il y a d'autres Parisiens dans le chat, j'espère que vous comprendrez que tout ceci est du troisième degré, hein. À ne pas prendre comme une attaque personnelle. On vous aime bien, les Parisiens, vous en faites pas. Il fut un temps où je passais tous mes week-ends à Paris. Ah, on a perdu des gens depuis qu'on a commencé à parler de Paris, chat. Je tiens à vous le dire. Normal en Alsace, déjà qu'on est alsacien avant d'être français. Je sais pas si c'est normal. Oui, mais c'est parce qu'on est, une région un peu particulière, nous. Un coup on a été français, un coup on a été allemand, c'est normal qu'à un moment on ait dit allez vous faire enculer, on est juste alsacien en fait. Laissez-nous tranquille. On est zone neutre. Enfin on n'a pas tout à fait, quand tu t'intéresses un peu à l'histoire de la région, tu comprends vite que l'Alsace n'a pas tout à fait été zone neutre. Vu que pas mal de nos anciens ont été enrôlés de force par les armées allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ouais, non, laissez-nous juste tranquille. On est bien, nous, dans notre Alsace. Comme la Bretagne, les Corses et les autres régions qui veulent leur indépendance. Bah ouais, mais à un moment, si ces régions-là veulent leur indépendance, faut peut-être se dire que c'est pas pour rien. Parce que les Français, ils nous prennent pour des cons. Tu regardes, c'est que des régions riches qui veulent se barrer. Sauf que si on se barre, et ben le pays est dans la merde. Voilà ce que j'ai à dire. Je connais que trop bien ça. Je me suis fait traumatiser par mon grand-père habitant avec les histoires de guerre. Ouais,
Je compatis, j'y ai eu droit aussi. J'y ai eu droit aussi aux histoires de mon arrière-grand-mère qui me racontait comment les Allemands étaient venus chercher son papa. Pas tout à fait la période la plus glorieuse de l'histoire de, de l'Alsace. Hein. Ils nous ont bien fait chier, ces connards. Vu notre gouvernement, je ne peux qu'être d'accord. Ah bah oui, non mais clairement. Clairement. Et là, ça va pas aller en s'arrangeant. Hein. Moi, j'ai regardé 10 minutes du discours du Premier ministre, là, ce midi, sur la 1. On nous prend pour des jambons, chat. À chaque fois, je dis, j'aime pas trop parler politique sur la chaîne, et ça finit toujours par arriver. Un jour, je vais finir par me faire ban par Twitch à cause de ça. Enfin, je vois pas trop pourquoi ça arriverait, je suis encore bien trop petit pour que le fait qu'on parle politique ait une influence sur quoi que ce soit. Bizarrement, il n'y a que ça chez nous. Les grands-parents de mon ex m'en ont parlé qu'une fois en 3 ans. Dont 6 mois de cohabitation. Ouais, bah. Perso, je suis apolitique. Donc, tous des tocards, pas de discrimination. Ah, moi, c'est mon petit côté anard qui me fait péter les plombs là en ce moment. Il y a plein de choses que je trouve pas bien faites et pas normales dans ce qui se passe en ce moment. Et c'est mon ressenti à moi, et c'est des pensées qui me sont propres. Apolitique, voter pour les moins cons, c'est prendre un parti, sachant que ne pas voter, c'est... voilà. Au final... Non, pour le coup, je vote pas. C'est pas forcément la meilleure des idées, hein. Après, c'est une question de point de vue, hein. On va pas se lancer là-dedans, mais à partir du moment où tu votes pas, tu laisses les autres choisir à ta place, en fait. Je sais pas bien, etc., mais je ne crois plus en cette démocratie. Mais c'est parce que c'est plus une démocratie. Ça fait bien longtemps qu'on vit plus en démocratie. On nous donne un faux semblant de... Vous comptez toujours dans les décisions pour qu'on ferme notre gueule et voilà, mais ça fait bien longtemps qu'on vit plus dans une démocratie, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et de toute façon, peu importe pour qui tu votes, ce sera la même merde. Ça, c'est pas faux. Avec un de mes collègues de travail pendant qu'on bossait durant le confinement, parce que oui, je fais partie des gens qui ont travaillé pendant le confinement, on a dit qu'on allait, ouvrir un parti et qu'on allait l'appeler « On fait tout cramer ». Et qu'on allait monter cramer la gueule à tous ces connards, tout faire péter et tout recommencer du début. Que ce soit Macroute, Le Pen, les Verts, etc., tous les mêmes. By the way, le retour d'une petite monarchie, voire dictature, fera pas de mal au pays. J'irai peut-être pas jusque là, mais le système comme il est maintenant, on peut pas continuer à fonctionner comme ça. Ne serait-ce que passagère, oui c'est ça. Mais après, c'est une... Voilà, tout ça, c'est une question de point de vue, une question d'idéaux qui est propre à chacun. Et encore une fois, je me rends compte que parler politique, c'est pas bon. Les vues dégringolent, chat. Ouais, on peut parler de tout, hein. Pas déconner. Clairement, tu te tais, tu obéis, basta. Ouais. Alors, il y en a certains qui ça ferait pas de mal. Particulièrement avec cette histoire de masque. Parce que au départ, le français gueulait « Ouais, on veut des masques !»« Mais il n'y en a pas !»« Fais chier !» Et maintenant, le français gueule « Ouais, il y a des masques !»« Mais on veut pas les mettre !»« C'est pas normal, nous obliger à mettre des... » Putain, les gars. Vous vous rendez compte à quel point vous avez l'air d'être con ou... Ou c'est juste pas possible pour vous d'ouvrir les yeux. Sinon, dites-le tout de suite, hein, c'est pas un problème. Ok, les stats, on arrête tout. Non, t'inquiète. J'en suis pas au point de... Je pars du principe qu'on peut parler de tout, avec tout le monde chez moi. Ceux à qui ça plaît, c'est bien. Ceux à qui ça plaît pas, c'est pareil, en fait. Hein.
je comprends que ce soit pas le genre de sujet qui plaise à tout le monde. Si il préfère aller voir ailleurs, et bah il fout, ma foi. Bah voilà, tu fais ça pendant quelques temps, avec tous ces connards qui défoncent tout, comme disait Sarko, à coup de Karcher, dans tout ce merdier, et une fois que l'ordre sera revenu, là on voit pour mettre en place la 6ème République. Ouais. Connard qui gueule, gna gna gna, les masques. Je suis asthmatique et je l'aimais. Bah ouais. Ma copine est asthmatique, elle bosse. Elle est infirmière, donc elle bosse en milieu hospitalier. Elle se promène la journée entière avec un masque sur la gueule et elle en fait pas tout un foin, quoi. Enfin, moi perso, j'arrive pas à respirer avec, hein, mais j'ai trouvé la solution. Je fais du télétravail et je le mets toujours quand je sors. Le télétravail est une excellente solution. Alors oui, effectivement, c'est pas agréable de porter le masque, ça fait chier, tu respires mal, tu... Mais à un moment, il faut arrêter. Si on nous demande de le mettre, c'est pas pour rien. Le virus, Après, partir dans le complotisme total, on peut partir sur plein de choses. Hein, que de toute façon, tout ça, ça a été prémédité, machin chose. C'est pas le sujet maintenant, mais ça n'empêche que le virus, lui, est bien réel et qu'il faut s'en proposer. Il faut s'en protéger quand même, et il faut protéger les autres aussi, parce que là pour le coup faut arrêter il faut arrêter de penser qu'à sa gueule en fait, et c'est ça la black gore. Allez, attends, je m'en suis mis quelques-unes mignonnes de côté, faut juste que je les retrouve. Allez, je t'en fais deux pour le prix d'une. Parce qu'elles sont relativement connues. Chat, est-ce que vous savez ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle, chat? Allez-y, vos pronostics. Ah! Un bébé dans deux poubelles, exactement. vous savez comment on sort un bébé d'un mixeur? Elle est soft celle-là, oui. À la paille, exactement. Et vous savez quelle est la partie la plus difficile à mixer dans le légume? Quelle est la partie du légume la plus difficile à mixer, chat? Le fauteuil roulant. La partie du légume la plus difficile à mixer, c'est le fauteuil roulant. Eh putain, pourquoi tu t'es désisté, connard? Voilà, voilà, vous en avez eu 3 pour le prix d'une. Même si elles étaient un petit peu sauf tout net. Je la ressortirai celle-là. Putain, maintenant que ça allait taguer, il y a un trou du cul qui s'est désisté. Faudrait les brûler, ces gens-là. Les gens qui taguent pour des trucs et qui... M'agace. GG Zoro pour ton level 20. Un connard qui gueule, gna gna gna, le masque c'est chiant. J'en ai quelques-unes, mais elles sont racistes. Après, ça reste de l'humour pour moi, donc je m'en fous. Mais bon, à éviter sur Twitch. Oui, on va éviter. Malheureusement, Twitch n'est pas forcément particulièrement ouvert à ce type d'humour. Et je tiens à ma chaîne quand même, alors on va éviter de faire ma merde, si vous voulez. Je l'aime bien, ma petite chaîne lunette, moi. Je t'enverrai ça en privé, si tu veux, ça marche. Ah putain, les gars, ça fait 17 minutes qu'on attend, ça les tag, il y a un trou du cul qui s'est désisté, on est reparti pour je sais pas combien de temps, j'en peux up.
Je veux juste finir les Eden, bordel de merde. Vite! Allez, tout le monde dit oui, tout le monde dit oui, tout le monde dit oui! Allez, les dips! Allez, les dips, allez! Yes! On va leur dire que c'est la première fois. Sinon, je vais me faire lyncher. Je suis prête à recevoir le pouvoir des... Oh, super! Shiva, l'enfer sur terre. Dans tous les cas, ils l'ont rendue particulièrement mignonne, la mère Shiva. Allez, go! Comme pour les autres, je me concentre un peu, chat. Vous m'en voulez pas si je mate pas trop le chat du stream durant le combat. Je reviens à vous juste après. Parure. Qu'est-ce que ça fait, ça? Vous ne m'inspirez que du dégoût. Ah! Ah, je suis... Ah non, je suis pas mort, mais pas loin. Ok, donc là déjà, j'ai pas pigé ce qu'il fallait que je fasse, hein, je vous le dis. Parure, je regarde pas. Alors, faut aller là. Comme ça, tu te fais pas... percer du givre. Oh, ça glisse encore ou pas? J'aime pas trop le fait qu'il y ait un flocon de neige de dessiner par terre, je vous avoue. Elle fait bobo la coconne, hein. Ah! Putain, je comprends rien à ce qui se passe, chat, c'est l'enfer. Ah! Tiens, t'as qu'à faire tomber où tu veux, mais pas sur moi. Bon, pour le moment, on comprend rien, mais les îles gèrent, donc on crève pas. Merci les îles. Monde des miroirs. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Miroir de glace. Oh! Oh, pas eu le temps. Je les ai prévenus que c'était ma première fois après, hein. Ils viendront pas gueuler. Hein. Ouh. Pas tout de suite, mémé. Je te rappelle dès que j'ai fini. Et merde, je me suis encore fait... Nya. Oh oh, elle s'en va. Je sais pas ce qui nous attend, chat, mais vu la gueule qu'elle fait, je suppose que c'est pas bon. Ok. Ok. Ah là!
Éther de foudre. Bon, let's go rager en PVP. Bon rageage, mon petit. Donc je suppose que le but c'est qu'il faut pas qu'il y ait d'élémentaire qui touche le gros caillou. Ah, y'en a là, y'en a là, y'en a là. Bon, il a pris 40, on devrait pas trop manger dans la chatron. Shiva, 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 on va te faire prendre. Ah, au milieu, au milieu, au milieu. Franchement, ils se sont vraiment fait plaisir pour ces boss là. Hein. Tous les boss que j'ai fait là depuis que je suis revenu, ah là je suppose qu'il faut aller dedans. Ah! Merde! Les ronds, les ronds, les ronds! Ouh, fuque! Je suis mort. Fallait bien que ça arrive à un moment. Ah, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Dans son cul, dans son cul. Dommage, il lui reste 20% de vie là. Va falloir claquer la LB3 les gens. La LB3 heal. Tiens, tiens le tankounet s'il te plaît. Là il reste les deux tanks, un invo et un mage blanc. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah, on y revient du chat, on y revient du. On va lui mettre la misère. On va essayer de pas recrever. Bon, on a une moyenne d'une mort sur chacun des combats. Monde des miroirs. Va falloir se préparer à foutre le camp. À mon avis, il faudra aller quelque part par là. Donc je vais directement quelque part par là. Ah non! Non mais ça c'est pas juste aussi hein. En fait c'est pas le plus loin des miroirs qu'il faut aller. C'est entre les deux. Mais on n'avait pas compris chat. C'est pas grave, on revient. Ah putain! Je me suis de nouveau fait eu quoi. Ouh. Ouh. J'aurais vraiment servi à rien sur ce fight par contre. Hein. J'ai bien fait de leur dire que c'était ma première fois. Allez, cassez-lui la bouche. Par contre, j'ai pas pour le machin qui te fiche sur place, j'ai pas pigé. J'ai pas pigé ce qu'il fallait faire, par contre. Hein. Mais vraiment pas.
Ouf, pas bon. À mon avis, c'est mort. Hein. À mon avis, c'est décédé, chat. Il reste plus qu'un heal. Il y a les deux tanks. Cela dit, il y en a un des deux qui est chevalier noir. Chevalier noir, ça fait plutôt pas trop mal de dégâts. Ouh, le heal va mourir. Putain, ils vont le finir à 3. Reste le deuxième heal qui te file un coup de main. Allez, il doit rester 3%. Combat sympa, mais j'ai absolument rien compris. Ça y est, le heal est mort. Et je pense que c'est dead. Ils se sont suicidés. C'était à attendre. On a mal joué, on a mal joué. Mais j'ai vraiment pas pigé pour le truc déluge de machin là. J'ai pas compris. J'essaie d'observer un peu ce que font les autres. Parure, je vais me foutre là dans son cul. Je suis coincé de nouveau. Alors pourquoi est-ce que les autres ils arrivent à rebouger avant moi? Parure. Et puis la parure elle fait pas à chaque fois la même chose quoi. Je comprends pas tout mon petit chat, je comprends pas tout tout. On va faire comme si. Prochaine danse, on balancera la totale. Tac. Pas technique. Tac, tac, tac. Tac. Mais. T'es un peu con, Jean-Mi, aussi, hein, de me suivre à la trace comme ça, là. Me suis pas comme ça. Tu vois bien que je suis en galère, j'ai passé mon le fight d'avant à crever. Bon, à part les parures, la première partie du fight est pas super super compliquée. Ok. On a réussi à éviter les miroirs. Déjà une bonne chose. Parure. Ils sont tous partis loin, ils vont tous près, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on va, comment qu'on s'appelle. Étourdissement. Ah bah forcément c'était celui où il fallait aller tout loin. Sinon c'est pas drôle. Et je suppose que ça fait encore partie de ces fights où... Bah tu peux pas te dire à ce moment là elle fait ça, à ce moment là elle fait ça. T'es obligé d'y aller à la One Again Abyss to Fly, sinon c'est pas marrant, chat. Ok, on repasse sur ce petit truc là avec les petits élèves là. Empêcher le déluge de lumière. Ah j'avais pas vu qu'on était deux groupes en fait. Donc s'il y a un groupe qui chie dans la colle.
Ok. Ok. Tac tac. Désolé chat, hein, je me concentre un tout petit peu. Si on pouvait réussir à le tomber, ce serait pas mal. Et vu que je connais pas du tout le fight, j'ai un peu tendance à faire de la merde. Ah non, touche pas le caillou. Oh, on a fait moins qu'avant. Avant on a fait 40, maintenant c'est 20. Elle tapera encore moins fort du coup. Ça c'est plutôt cool. Bon, vu que tout a... le dernier... Le dernier machin de la parure, c'était pas dans son cul. Je suppose que celui qui vient sera dans son cul. Bon, pour le moment on gère pas trop mal. Là, va falloir courir là-bas. Donc je me prépare tout de suite. Et merde. Un peu trop tôt, j'avais oublié cette partie-là. Pétard. Vite, 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 vite. Mais j'étais pas dedans. Sérieux, quoi. Arrêtez de considérer... ça rend ouf. T'es plus dedans depuis une demi-seconde et tu prends les dégâts quand même. Merde, à la fin. Bon, visiblement, on a tous un peu mieux géré, déjà. Monde des miroirs, il y en a un juste derrière. Taillade de givre. Ok, parfait. Là, va y avoir le truc des miroirs. Et ben, raté. Et on est mort. Bon, là, ils peuvent largement le finir. Il n'y a pas encore eu trop de raises à faire. On est plutôt pas mal, là. On est plutôt pas mal. Là, c'est son truc qui fait bobo à tout le monde. Ah bah non, c'est celui qui fige. Zéro absolu. Bon, là, elle tombe. Par contre, elle fait zéro absolu par zéro absolu. Et voilà. Son pouvoir, il... Ah bah peut-être pas. Elle nous faisait... La première version de Shiva nous faisait déjà ça. Cette lumière. Rinji,
tiendra pas longtemps à se réveiller. Ok. Allez, mon pouvoir a intérêt à être utile cette fois. Donc je bosse, je regarde pas, mais cette BO, la musique est géniale. Ok, elle est vénère la dadame. Ok, faut faire quoi? De toute façon, je peux pas bouger. Briser la glace. Bon, c'est bon, la glace va être brisée. Voilà, cette fois, on a réussi. Plutôt sympa ce petit combat contre cette petite Shiva remasterisée. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Du coup elle nous rend rien, machin, ok, on a compris. On va honorer nos healers parce que franchement ils ont fait du bon boulot. Est-ce qu'on va gagner quelque chose? Oui, les gants. Normalement, je peux acheter les gants, du coup. Et qu'est-ce qui reste encore, la mascotte? Celle-là, je la gagnerai pas. Ah bah si, j'ai gagné la Rin miniature. Cool! Plutôt cool. L'un de vos équipiers vous a honoré. Ah bah c'est bien gentil pourtant, parce que j'ai fait de la merde tout du long. Bon bah on a terminé ce petit Eden. À moins qu'il y ait encore une partie derrière. Non, il y a juste une vidéo qu'on a. Ah, je peux pas passer. Ah si, je peux. Laissez-moi passer la scène. On s'en fout. Enfin là tout de suite, je m'en fous. Jardin de l'espoir. Ah non, il y a encore des morceaux. Je vais bientôt choper la sponsor par la baleine si je continue. Pourquoi? Non, ça a l'air d'être terminé. Bon, mon petit chat, c'est pas le tout, mais il est 17h, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent cet après-midi. Le sel est présent trop même. Merci beaucoup d'avoir été présent cet après-midi et de nous avoir suivis sur Final Fantasy XIV Online. Merci tout beaucoup. Déjà, ouais, bah, je suis à 3h, quasiment 4h de live. Là, je commence à fatiguer un peu, je t'avoue. Normalement, pas de stream demain, mais je vous tiens au courant. Comme d'habitude, Facebook, Twitter juste en dessous pour connaître les prochaines sessions de stream et leur contenu. Le Discord de la chaîne sur laquelle vous pouvez venir discuter de tout ça et sur lequel il y a pas mal d'informations aussi. Le YouTube sur lequel vous pouvez retrouver les replays de toutes les émissions de la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vais aller me prendre une bonne douche, me reposer un peu avant le boulot ce soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao ciao !